Et bonjour, bonjour tout le monde. Aïe, je me coince les cheveux dans les lunettes, ça fait mal. Ah, ça fait tout le temps ça, c'est chiant. Coucou ma Cassie, coucou Juju, coucou Juliette, coucou Sœurette, comment ça va? Moi ça va. Coucou Maquelle. Bon, j'ai continué un peu hier soir. Comment je peux mettre? J'ai continué, j'ai fait le fond avec les pastels secs Mongio et bien sûr un peu de pétales hybrides. J'ai commencé à faire, je sais pas comment elle s'appelle, je sais même pas si c'est Pégase, peut-être. On va continuer. J'avais dans l'idée de faire les nuages un petit peu jaune, un petit peu rose, un petit peu bleu, un petit peu violet. Enfin, pour rappeler un petit peu le fond, enfin, je sais pas. Je baisse ma musique, oui. Encore? Là, c'est bon pour vous? Vous l'entendez encore ou pas du tout? La musique était forte? D'accord. Là, c'est bon pour vous? Mais moi, je l'entends quasiment plus. Alors, je vais la remonter. Est-ce que je peux remonter chez moi? Non, je suis à 100. Bah, tant pis. Hop, ça c'est good. Donc, par contre, voilà, je sais pas avec quoi je vais ici. Je vais faire avec le Prisma, je pense. Et vous, quoi de prévu aujourd'hui? Bella est montée sur mon colo hier soir. La relou. Waouh, 25 visionnages. La patronne. Du coup, il y avait le cross ce matin. Je suis rentrée chez moi, il était 11h aidé. Du coup, j'ai directement mangé parce que j'avais pas déjeuné ce matin, j'avais la dalle. C'est pour ça que je suis là en avance. Je voulais venir ce matin, mais c'est hier soir, je me suis fait. Non, c'est pas possible, il y a le cross. Donc ça va, ils ont couru tout du long. Ça va. Yam a bien couru. Jade, elle n'était pas dans les premières, mais elle s'est pas arrêtée. C'est l'important. Le souci, c'est que dès qu'elle m'a vue, elle a chouiné. Je l'entendais partir au loin, elle hurlait. Mais bon. C'est la vie. Je vais ranger ça. On va se faire des petits combos pour les nuages. À moins que je peux peut-être prendre les macarons. Ça pourrait être bien avec les macarons, peut-être en couleur pastel. N'ont-ils pas? Par contre, ils sont où? À chaque fois, c'est ça, les macarons. Je sais jamais où c'est qu'ils sont. Trop de trousses. Trop de trousses. On va peut-être pas mettre la chanson dépressive dès le début. Hein. Hein. Ouais, les macarons. Du coup. Là-dedans. Ah non, Black Widow et les Black Edition. Donc, non. Alors je change mes bottes fenêtres. Hein. Ils sont tous dans la même teinte de trousse, ça va pas. Alors. Est-ce que c'est écrit ce que c'est là? Oh, ils sont là. Moi, c'est. Ou c'est moi? Non, moi, oh, mais c'est moi ou ton son est bas? Bah, je sais pas. Parce que j'ai rien touché depuis. Attends. Ouais, j'ai peut-être eu une mise à jour. C'est bien le micro qui est pris en compte. C'est Windows qui fait chier. Let me. Parce que tu m'entends de loin aussi. Après, je peux augmenter le micro. Coucou Pretty, la musique l'emporte sur ma voix. Ah ouais, pourtant là, j'ai vraiment pas.
Bah, je peux rebaisser la musique après. Là, vous l'entendez encore ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire. Je croise les doigts pour avoir les colis pendant que je suis pas à l'orthoptiste ou opticien ou le... Ah bah ouais. C'est toujours comme ça, on serre les fesses. Ma musique est encore trop forte? Là, vous l'entendez plus du tout. Là, c'est bien mieux avec le micro. C'est vachement bas pourtant. Je vois le truc à peine bouger. Bon. C'est vous les patrons, hein? Petit, je sais même plus si je t'ai dit. Du coup, un petit combo de jaune, un petit combo de bleu et un petit combo de violet. C'est ça que j'ai mis en fond. Et du rose. De toute façon, on va faire rose-violet. Et je vais compléter quand même avec l'autre. Je peux pas mettre que des macarons. Bleu. Ouais. Mais la meuf, elle va tout sortir. Pour le jaune. Coucou Mag. Ça va, vous n'avez pas trop chaud, vous? Ah, ce matin, il faisait une chaleur, du coup, les... ils ont pas pris leur casquette. Liam qui avait pas pris sa gourde qu'il a laissée dans son sac à l'école, mais... Je vous jure. On a quoi comme bleu là? Ça pourrait être mieux peut-être ceux-là. On va sortir, on verra bien. Qu'on utilise pas. Oh, je te vois bien. Et toi aussi là. Allez. Tant pis pour vous les autres. Une prochaine fois. Pourquoi il m'a fait le même truc? Voilà. T'es sous les combles là, en plus, Mag. Coucou, c'est pas l'heure. Merci pour ton lurk. J'espère que tu vas bien. Du coup, là, il est du coup. Je vais peut-être mettre du rose sur celui qui est éloigné. Sur celui-là, je pense. Celui-là, je pense que je vais le faire un peu rosé. Je sais pas encore trop comment je vais faire. Je sais pas. Mais on y va. Ah, t'as pas le son. La Mogwai. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, hein, il n'y a pas de raison. Et après, il faudrait que je continue le Harry Potter. J'essaye de faire le dernier personnage. On dirait que je suis toute blanche, mais je dois être toute blanche de toute façon. Ah, ça s'est recouvert. J'avais peur qu'ils aient le mauvais temps, hein, parce que vu ce qui est tombé hier. Peut-être le week-end de Pentecôte. Il y a la masse de raideries là en ce moment. Papy, mamie, ils doivent être dingues. Ah, si, ça va. Ça devrait aller. Je veux pas que ce soit trop flash.
Ça change un peu d'habitude de ce que je fais. Je suis pas trop dans la douceur habituellement. Ma fille avait voile scolaire? Voile scolaire? Là, je comprends pas. T'es en Bretagne ou un truc comme ça et ils font de la voile? Bon, quand c'est qu'ils rentrent, qu'ils râlent pas, les petits. Moi, ils râlent tout le temps. Ah, je veux pas aller à l'école. Ah, je veux pas rentrer à la maison. Ah, hein? Ah ouais? C'est sympa. Nous, ils font rien. S'il est allé à la mer. Ah, ça y est, ça commence. Mais ça me dit quelque chose déjà, vive le chaos là. Hein? Faut que je passe sur. C'est chiant. Ah, oh, puis j'ai pas le truc modérateur. Du coup. J'aurais dû le ban avant de. Faudrait que je le fasse, je sais pas où, du coup. Parce que là, je peux pas via le truc, là. Non. Puis ils sont pas capables d'écrire sans faire des fautes en plus. Arnaque, en plus il écrit bien arnaque le gars. Il y a un moment. C'est pour ça qu'il follow à chaque fois, la plupart. Parce qu'il y a certains chats où tu es obligé d'être follow pour pouvoir parler. Mais non, pas chez moi. Tabane, merci. Ah oui, je vois. Merci. Parce que de toute façon, il crée des comptes à foison. Mais vive le chaos, ça me dit quelque chose. C'est pas la première fois. Il doit avoir je sais pas combien de comptes celui-là. Aïe, désolé pour le petit coup. Bah ouais, ils ont que ça à faire. Donc c'est pas forcément des gosses. Ah là, c'est pas vraiment un troll. C'est des arnaqueurs. It's Et ça leur rapporte quoi de faire ça? Je pense même pas que ça. Je comprends pas. En plus, ils ajoutent de l'eau de Javel, la nourriture, jette dans la forêt, la mer, avec le plastique, l'argent viendra à toi. D'accord. L'enfer n'existe pas, ils disent. N'aie pas peur de la mort. Mais la mort, MOOR 3. Et tu seras plus fort, fort, FOOR 3. Ouvre ton robinet tous les soirs. Et ne l'éteins jamais, mais bien sûr, ajoute de l'eau de Javel à la nourriture et jette-la dans la forêt et dans la mer avec le plastique. L'argent viendra à toi. Non, mais ils sont sérieux. Putain, il y a des tarés partout. Il y a une maman là ce matin qui m'a dit ils ont tué quelqu'un à Reims ou je sais pas où. Encore un qui a essayé de buter je sais pas combien de personnes.
Ouais, tu vas faire ça. C'est lui qui paye la facture. Hein. Facture d'eau, tu laisses les robinets ouverts. Ouais, vas-y. Hein. Chinassi, you know how I feel. Bah du coup nous le cross on était vachement éloignés, ils ont fait tout un périmètre de sécurité, il y avait 4 flics. Ouais, il y avait 4 flics. On est dans une petite commune, hein, mais vu qu'il y a un pédophile qui traîne, un exhibitionniste. Je vous jure. L'année dernière on les avait vus de plus près, là c'était tu zoomes là, mais tu es flou. Bref, les photos elles vont être géniales. C'est à Rouen, ouais, une synagogue, ouais, c'est ça. Sleep in peace, the way it's done, that's what I need. Ça craint. For me. Tu vois l'autre qui s'est évadé là. Plein péage. You know how I feel. I'm free. J'espère qu'ils vont le choper, l'exhibitionniste, là, quand même. Parce qu'il y a un moment, ça va 5 minutes, quoi. Il y a des... Pff, il est tordu partout. Ça fait partie du même nuage, vous pensez? Je sais pas. Oh, c'était fort, c'est fort la copulation là. Ça va. Ça va, Juliette. Eh bien, Simone. On a le jetpack. You know Elle est toute belle, Simone. Ouais. Elle est trop bien. Elle a des étoiles dans les yeux. Yes, a new life. Je sais pas si je le fais rose aussi là. Yes, a new life. Oh, mais si je le fais pas rose, ça ferait chelou, non? Ou je peux le faire peut-être violet. Now and then, an insignificant my friends. J'ai dit que je mettrais des autres crayons, mais voilà la flemme. J'ai ceux-là de sortie, ça va être ceux-là qui vont être utilisés. Voilà. Tigale, merci. J'ai commencé à regarder Bridgerton là du coup. J'ai regardé le premier épisode. Ça y est. Oh, mon ongle. Ah, il s'est redurci. Ce matin, il était mou, mais tellement mou. Je le pliais de tous les sens. Ouais, il est encore un peu mou. Mais ce matin, c'était affolant. Le corps est trop chelou.
Coucou Gaïole. Comment ça va, mon petit bouton d'or? Oui, t'aimes le jaune. Tu es mon petit bouton d'or. Il y en a plein en ce moment. Moi, ça va. Ouais, c'est doudou. Tout doux, tout doux. Ils annoncent un temps pourri du coup pour ce week-end, je suis deg. C'est ça, on va avoir une journée où on fait un temps à peu près potable, 2 jours de mauvais temps. Oh, super. Vive la Picardie. Ouais, c'est tout doux. Ma blonde calassie en eau. Fallait pas me voir. C'est à quelle heure que je les emmène à l'école? On va dire 7h. Entre 7h15 et 7h20, j'étais en train de hurler sur mes gosses. Oh, Jade, pas moyen de trouver ses baskets. À la crosse aujourd'hui. Je me suis énervée, on aurait dit une hystérique. Du coup, elle avec ses vieilles baskets mini en 25. Voilà. Eh bah tant pis. Du coup, j'ai essayé de lui tirer le verre du nez. Tu les as mises où? J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé ces baskets. Ah, elles sont dans la boîte, maman. Quelle boîte? Boîte de chaussures. Oui, mais tu les as déjà mises, elles sont pas neuves. Pourquoi tu les as mises dans la boîte? Et elle est où la boîte? Dans ma chambre. Je les ai retrouvées en rentrant, mais. Cet enfant. Du coup, je leur ai passé un de ces savons. Ce soir, vous rentrez, vous rangez vos chambres. Je veux rien savoir. Oh là là, c'est pas possible. Mon entrée, c'est plus une entrée. Il y a Miranti, j'ai tout. Eh, je suis pas bobonne. Hein. J'ai beaucoup de bleu, là. On va y arriver. Hein. Celui-là, non, je pense pas. Je vais prendre celui-là. Celui-là, celui-là. I think. Non. Non, c'est bleu là. Je vais pas faire bleu. Je vais le faire avec le bleu. Là. Ah, mais il est tout blanc, lui, il me semble. Hein. Donc il a pas les ailes bleues ou quoi que ce soit. Ouais, allez. Il n'y en a qu'un d'Hercule ou il y en a plusieurs comme certains Disney? Mais vous l'entendez là la musique? C'est pas possible, le truc il bouge même pas. Il n'y en a qu'un?
Ok. Je le vois pas bouger le truc de la musique. Remac assis, pas de soucis. T'entends un peu? Ah, vous l'entendez plus là? C'est trop bizarre. Hein. Ça dépend de sur quel truc vous êtes. Pourtant, t'es sur tablette, sœurette. Tu devrais avoir un son pourri. Moi, je sais que sur téléphone. Je suis à fond et j'entends rien. Non, t'es sur PC? Ah, t'es sur PC? T'es sur PC? Moi, je l'entends sur le téléphone uniquement quand je branche l'enceinte ou les écouteurs. Bah ouais. Et télé, c'est pareil. Généralement, je mets super fort. Du coup, l'autre jour, ouais, j'étais en train de regarder le lave de papy. J'ai été chercher le casque parce que pour faire ma vaisselle, sinon j'entendais rien. Mais... Ouh, tu t'es offert un PC portable, madame? D'accord. Ok. La console, c'est pareil, il faut mettre le mettre assez fort. Ouais, c'est pour ça que je préfère mettre le son relativement fort, comme ça vous avez le choix de, bah, de baisser, de pas mettre tout à fond en fait. Mais comme ça permet aux personnes qui habituellement n'entendent pas forcément, bah voilà, de mettre d'entendre, tout simplement. Conversation under. Touch my body. Ouais, le balai, c'est mieux que body. Le body, c'est barré. Conversation under. Touch my body. C'est un visionnage qu'est-ce si j'ai 450 chiots. 450 chiots-points en plus. Qu'est-ce que tu vas en faire? Attends les roulettes. Du coup, ce matin, c'était l'entretien. Ça s'est relativement bien passé. D'accord. Moi, je suis au casque tout le temps, donc je m'en rends pas compte. Ouais. Mais c'est quand même plus confortable un casque. Je sais pas trop comment gérer le truc là. Je préfère l'enceinte, c'est vachement plus confortable pour que les oreillettes. Ah, les oreillettes, je supporte pas. Ça fait que tomber, c'est relou. Puis je trouve pas forcément le son meilleur. Sinon, le mec m'a demandé pourquoi j'avais pas évolué dans mon poste. Et je lui ai dit que je ne savais pas que je posais la question. Que je me posais la question, mais qu'on ne me donnait pas la réponse. Donc, je risquais pas d'évoluer et d'arranger un problème que je ne connaissais pas. Non, puis c'est que t'as des managers des fois qui veulent pas forcément te faire évoluer aussi, hein. C'est. Ils veulent te garder sous le coude et puis.
que j'ai mis un deuxième. Les oreillettes m'ont fait de l'eczéma, je peux plus y mettre. Ah ouais, carrément. Le truc, c'est qu'il mourait toujours sur le même coin, c'est juste que je serais mieux payée, donc ça ne tient même pas à ça. Bah. Coucou Vince. Comment tu vas? Je veux tout. Moi, je veux tout. Moi, je vais tout, 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 I want it all. I want it all. I want it all. T'as pas le moral? C'est tout doux pour toi aussi? Bon, alors Gaël et Vince, vous restez ensemble. Ça va être le week-end. À moins que tu bosses peut-être ce week-end. T'as pas le moral, il faut que tu fasses la danse du petit dino. Tu ressens plus à un zombie qu'à un dino, je crois. Ouais, tu bosses demain matin. Ouais, je sais ce que c'est. Moi, je travaille tous les week-ends, tous les jours fériés. Ça ne me manque pas. La tristesse, le travail. Rien que de regarder Dino, je suis happy. T'inquiète, moi aussi, ma semaine commence aujourd'hui. Ouais. Cassie et ses horaires à la con. Ouais, j'ai remercié mon ex. Ah, c'est quoi ce trait rose là? Il y a un trait rose là? Je sais pas si vous le voyez là. Et ça me fait plus mal, ouais. Depuis, bah ouais. Enfin, je revis, ça fait. Mon. C'est pas l'heure. Ça va, toi? Tu as gratté le papier quand tu as fait la bouche. Ça fait un bout de temps que j'ai fait la bouche. Arrête, j'avais pas vu la trace ce matin. Arrête. C'est à cause de toi. Tu ne l'as jeté, ouais. Plus mal. Respecter et ça fait plus mal, ouais. Que c'était fini depuis, bah ouais. Ça fait. Mon. Je vais prendre un autre. Je trouve pas que le bleu il tranche là. Mon, mais oui, je peux pas le faire tout bleu par contre. Pourrais, ouais. Jamais. Jamais. Hey.
ta fierté. Jamais, jamais. Moyen, la grand-mère de chérie décidée cette nuit. Oh, punaise. Oh. Toutes nos condoléances, Maloute. Mon ex. Si je fais quand même le faire. Mon ex. Que c'était fini depuis. Enfin, je revis. Non, pas très proche personnellement, mais chérie est très affectée. Bah oui. C'est arrivé soudainement ou... Réponds pas hein, si c'est trop. Trop lourd. Oh, là, je fais une couleur. Là, je vais faire une autre. C'est pas clair dans ma tête, là. What you been doing? Non, ah non, ça je l'ai. Si elle est partie dans son sommeil, au moins elle n'a rien senti, il faut espérer. Ouais, c'est difficile, ça, je comprends. Force à vous deux. Just too easy, I'm so bad, I'm there, I'm there. No, you don't, I'm a Vesti boyfriend. Celui-là, je vais essayer de le refaire un peu plus grand. Je pars en cacahuète là. Vesti boyfriend. I'm still be friends, so stick a sick of him. I'll see him from here. Elle est tombée en début de semaine, elle a été hospitalisée, elle est partie dans son sommeil. Ah, ok. Ah, zut. Ah oui, vous n'êtes pas... Pas à côté. No, you don't. I'm back. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là que j'ai pris. Moi, j'essaye de préparer un peu mes enfants au départ de leur arrière ah, de leur arrière-grand-mère. Parce que je pense que ça arrivera. Hein? Je préfère les y préparer un petit peu. Pas qu'ils se prennent ça de pleine face. Pas de soucis, c'est pas l'heure. À plus plus. Vesti your boyfriends. J'ai celui-là. Vesti your boyfriend. J'ai pas envoyé de message à Taz. Elle a pu Insta, elle a pas la story du coup. Mon téléphone.
C'est pour ça que même si vous trouvez ça craint ou autre, c'est important d'avoir un contact au minimum une fois par semaine avec les personnes de votre famille ou que vous considérez comme votre famille. C'est toujours difficile quand on a... En plus, tu as le sentiment de te sentir coupable parce que tu n'as pas pu voir la personne juste avant. Ouais. Enfin, moi, ça va être compliqué. Par rapport à ma famille, je sais même pas si je redescendrai, quoi, franchement. Désolée, Sœurette, mais je sais même pas, franchement, comment ça va se passer, quand ça arrivera, quoi. Franchement, franchement, je sais pas. Comme j'ai dit, ça dépend si tu les considères comme ta... Ouais. Parce que mes enfants, ils les ont jamais vus, quoi. Donc... Pour ton mariage? Oui, bah oui. Un jour. Après, si tu sais que toi, tu as le droit, je suis droite dans mes bottes et que tu te reproches rien, quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire que c'est pas grave. Non, mais moi, si je descends, c'est juste pour ma soeur, mais les autres... Voilà, je veux dire... Sujet compliqué chez moi aussi. Ah. Okay. Elle choisit pas sa famille. Hein. Hello, Beyoncé. Le problème, c'est quand tu n'es pas sûr de toi et que tu penses que ça pourrait quand même te toucher, t'affecter. Dans ce cas, il vaut mieux garder en contact positif, même si tu reçois du négatif, c'est à la fin que ce sera positif pour toi. Ouais, mais non. Je me suis totalement détachée depuis tellement longtemps que. Tellement eu l'impression de pas compter, mais depuis tellement longtemps que ça sert. J'ai laissé plusieurs fois des chances et il y a un moment, bah il y a un moment, t'en as marre de faire des efforts, quoi. C'est toujours que d'un côté, il y a un moment, bah stop, quoi, c'est tout. T'arrêtes de te faire du mal et puis hop, tu t'en vas, quoi. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? C'est bon. J'ai vu trop de gens. Ah non, ça, je l'ai peut-être déjà lu. Attends, je sais plus. J'ai vu trop de gens se sentir mal et affreux et avoir ce problème du survivant pour des personnes qui se fichaient d'elles royalement. Mais voilà, le caractère de chacun est différent et donc les pertes nous touchent différemment. Mais si c'est des gens qu'on n'aime pas, donc ne touchent pas différemment. C'est ça.
Vu la cruche à l'eau que ça nous les brise. Hein? Tant va la cruche à l'eau que ça nous les brise. Ah ouais? Ouais, d'accord. Ok. Je connaissais pas. Wow. La la la. Wouhou. Expression sans pur jus. Cherche pas. Juliette, prophétesse à ses heures perdues. Sensation. Shake my ass, ouais. Ok, Gaïoul, des gros poutous. Bon, la dernière fois. Oh! Putain! La dernière fois, j'ai un frangin qui a demandé à ma nièce si j'étais toujours en vie. Je lui ai dit de répondre que j'avais toujours le même numéro de téléphone à la même adresse. D'ailleurs, c'est la même adresse que sa mère, ce qui n'était pas son cas. Ouais. Bah, moi, c'est pareil, hein. J'ai toujours le même numéro de téléphone depuis que mes 18 ans. Donc. S'il y avait besoin, voilà. Hein. C'était pour Gaël. J'ai pas trouvé de truc approprié sinon. C'était violent. Hein. Elle va avoir des marques. Hein. Mais les alertes sont super fortes. C'est quoi ce décalage? Je comprends pas. Puis Wizbot, tu baisses et j'ai même pas l'impression que ça fonctionne. C'est parce que c'est la tienne? Ouais, peut-être. C'était pas aussi fort hier alors que j'ai rien bougé, quoi. Non, ce soir, faut que je fasse mes tomates farcies, mes courgettes farcies. Je vais avoir la tête. Des grimaces ce soir à table, ça va être magnifique. Faudrait que je prenne des photos. Que je mette dans leur dossier, là. Gardez les gueules que vous aviez quand vous étiez gosse, quand je vous donnais des légumes. J'arrive jamais. Oh putain!
Non, j'ai coupé la musique à cause de quand il y a ça, hein, parce que t'as pas une la musique? Arrête. Moi, c'était super fort, j'ai dû vous baisser. C'est quoi ce délire là aujourd'hui avec le son? Qu'est-ce qui est pas ça? With la musica. Et Windows, ça va pas, hein. Windows, faut arrêter d'embêter les gens. Volume par rapport aux applications. Qu'est-ce qui me fait? Lecteur média, je suis qu'à 6, c'est vous dire. OBS, je suis à 100%. Parce que là, si j'augmente là. Là, c'est super fort pour vous. Non? La musique, elle est forte là pour vous. Mais nous, c'était super fort, mais tu as coupé à temps. Ah! Putain, mais c'est quoi ces différences de son là en différentes c'est puis je sais même plus laquelle que t'avais mis là. J'ai trop de points de chaîne. C'est même pas là-dedans. Si, c'est la Pokémon Danse. C'est fort! Non? Aïe, là, tu l'entends, la musique. C'est pas fort. C'est super fort chez moi. C'est pas fort. Putain, moi, je baisse mon son. C'est pas possible. C'est super fort chez moi. Super fort. Super fort. Attends. C'est sur Twitch. Ça, c'est sur Twitch. Je sais plus. Les alertes. Mais que c'est un like. Je sais même plus. Ces points de chaîne. T'as tellement de trucs différents que après on s'y perd. Elle est où? Bébé requin. Ça c'est. Bah non, elle n'est pas là-dedans. Ah non, c'est sur. Je sais plus quoi, la sonde d'alerte, je crois. C'est pas fort. Mais là, si je vous montre la musique, c'est plus fort. Ou là, c'est bon pour vous. Moi, ça dépend aussi de ton casque. Moi, il suffit que je change de casque et c'est pas pareil. Ah, mais avec ce casque-là, je suis toujours. Je suis à Windows, je me mets à 50. Alors qu'avant, avec mon autre casque, j'étais toujours à 100%. C'est un peu fort quand même. Pourtant, hier, vous étiez à ce niveau-là. Janine, ils ont mis une information. Attends. La musique trop forte. Putain, on va y arriver. T'as pas eu ton crédit, du coup, pourtant, ça s'est noté. Compagnons, ces petits compagnons se nourrissent de bonheur et aident votre animal de compagnie à remporter des batailles. Donc les deux là, ils l'aident. Tu vois, là, il y en a une qui a un sourire et la deuxième, elle tire la tronche. Je vous abandonne. Rendez-vous orthoptiste. À toutes, des bisous. Et ont même leur propre nom. Oui, bah oui, c'est Janine. Mais là, j'en ai une deuxième de Janine, je comprends pas. J'ai pu ne donner le nom à une, mais pas les deux. Monsieur la tondeuse, bonjour. Pas de bruit, hein, s'il vous plaît. On a des soucis de son aujourd'hui. Du coup, son d'alerte. C'est son d'alerte ou c'est super fort? Faudrait que je regarde. Et que je vous en remette aussi. C'est vrai, vous en avez pas assez. J'ai dit tout à l'heure que j'en avais trop. Celui-là.
Mais Brit. Elle, par exemple, on n'en a quasiment pas. C'est ça aussi, les musiques, elles sont pas toutes au même niveau non plus, je comprends pas ça. Superstar. C'est celui-là. Ah. Ah, je suis moins fan là. Si, il me reste encore 2 crédits. Ok, bah crame pas tout. Ah, t'as vu le sourire coincé, gars là? Elle serre les dents, Simone. You're the womanizer, oh womanizer, oh you're the womanizer, baby. Ouais. Sœurette, t'as pas craqué pour Dreamlight Valley. Tu te retiens. Tu tiens bon. Menace. Encore un peu là. Mais du coup là ça va être le week-end, je vais pas pouvoir jouer. Si en plus on n'est pas là dimanche. What new you baby? Oh womanizer, oh womanizer, oh you're the womanizer baby. You are. Dans 3 jours tu fais un stream? Attends. On est vendredi, samedi, dimanche. Ah, le lundi de prendre code, c'est. Non, je le fais. Non. Je le fais mardi. Lundi, je fais pas. J'ai les enfants, j'ai tout le monde à la maison. Non, Doudou est pas là. En plus, oui, je suis toute seule avec les gosses. Non, tu rigoles. Et sinon, on peut plus pas faire parler Simone, par contre. Je crois que je l'ai enlevé, ouais. J'allais la faire chanter Britney Spears, c'est dommage. Non, je crois que je l'ai désactivé, ce truc-là. Tu veux que je le remette? Extension. Dragon Pets. Tu. Général. Non, c'est pas dans le général, ça, je sais plus trop. You're the womanizer. Mais oui, compagnon, tu vois, j'ai donné leur un nom. C'est les Janines, je vais rajouter un S. Les Janines. Ischioteval, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Cassie? Aïe! Il n'y a que celui-là, il n'y a que celui où tu peux dire bonjour, je crois, c'est tout. Say something. Si, tu peux dire. New animal. Le régime alimentaire, on s'en fout. Les bibits, safe changes. Les bibits, oui. Channel point, ça doit être là-dedans. Crédit dragon. Ça c'est quoi? Bah baston. Dragon c'est high. Mettre à jour. Il y en a deux en fait. Puis je vais baisser les points, c'est trop cher. Et toi là, c'est t'es quoi toi? Il y a une bestiole là. Va te coller sur le truc collant. Bah 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 nana. Je l'ai remis, Cassie. Non. On va attendre la roulette. Oh, le pauvre, ça doit faire mal. Non, la roulette, on va attendre parce que. J'ai le Harry Potter. Là, la chanson, vous l'entendez pas, on est d'accord. Là, je suis obligée de mettre le son à 20 et vous l'entendez même pas.
T'es spécial. Faut que je fasse la. Faut que je fasse. Comme dit Javins. Faut que je me mette à faire du teach, ok. Là, vous l'entendez, mais j'ai augmenté. Du coup, celle d'après, ça va être trop fort pour vous. Non, la roulette, elle reviendra. Parce que j'ai le colo de Gaël et le Harry Potter. Non, je peux pas leur remettre la roulette maintenant. Non, non, je suis désolée, Cassie. Vous vous rendez pas compte, j'ai 3 en cours là. C'est pas possible. Ouais, mais bon, celle d'après, elle va être super forte. Parce que là, du coup, je vous ai augmenté sur l'audio du bureau, sur OBS. Si, si, j'ai. Si, t'étais pas là hier quand j'ai montré mon encours pour Gaël? J'ai commencé le fameux cycle de la vie du papillon. C'est pas celui que j'avais en tête, mais bon, tant pis, j'en ai commencé un quand même. Il est quelque part, c'est sûr. Mais où? Bien entendu, tous les livres que j'ai sortis hier, je les ai pas rangés, hein. Bien entendu, je suis pas prête encore. Il est. Il est là. Par contre, va falloir que je recule. J'étais pas bien dans ma tête. J'ai commencé celui-là, du coup, dans le cercle de la vie. J'ai pas retouché là. Vous m'énervez avec vos fonds de nuages que j'arrive pas à faire. Bah, c'est juste ça, hein. C'est juste du plastique. Ouais, j'ai juste fait un plastique avec des formes. J'ai coupé en forme nuage et puis pastel. Puis tu avec ton petit embout doigt, c'est tout. C'est tout con. Tu sais faire. Donc ouais, j'ai commencé celui-là pour Gaillou. Elle m'a dit c'est ok. Si on voit plus les papillons que le truc. Mais de toute façon, là, c'est que des ailes là. C'est plus de papillons que de coquilles là. Enfin de machin. Là, elle est forte la musique, n'est-il pas? Hein? C'est chiant, hein? C'est chiant. Du coup, je sais pas où elle est. Je sais pas. Je sais plus si elle avait un rendez-vous. Si elle devait avoir un rendez-vous. Ah, mercredi. Doudou qui voulait les vidéos, mais ça va pas marcher. Mon de fâche. Chez Edgar. Ah, celle-là, elle est trop longue. Il voudra jamais l'envoyer. Il va même pas reconnaître ses enfants de toute façon. Il faut que je le fasse moi-même alors. Bah écoute, moi, oui, j'en avais acheté un de pochoir nuage, mais je m'en sers jamais en fait. Puis de toute façon, ça sera pas du tout le même rendu. Ils sont des pochoirs. Bon, c'est pas celle-là. Je sais pas aussi. Très loin, je ne sais. Mais oui, trouve-toi un. Tu sais, un. Je sais même pas si tu pourrais pas utiliser une feuille plastifiée. Tu la plastifies sans rien au milieu et puis tu la découpes. Tada. Avant d'avoir l'idée de faire ça, je m'étais coupé un bout de carton, tu vois. Je faisais avec ça avec un carton. Hop, je déplaçais, je le retournais. Voilà. Mais c'est vrai, ouais, j'adore ce rendu-là. Donc ouais, je le fais quand même régulièrement, j'avoue.
J'avoue que je le fais souvent, ce fond. Non, je suis sûre que t'as de quoi faire ça de toute façon. Oh, c'est sûr. C'est quoi cette chanson? Ça me dit rien. Je voulais en faire des jaunes aussi. J'en ai que deux. Je crois qu'elle avait dit rendez-vous aujourd'hui, ma tazounette. Elle me l'a dit ce matin, et vous voyez, la mémoire. Pas encore des siennes. Oups. Non, c'est celle-là qui. Ah, mais là, oui, du coup, je vous ai vachement remonté. Je sais pas quand c'est que j'ai mis ça dans la playlist, hein. Franchement. Ouais, il va falloir que j'avance le Harry Potter quand même. Celui de Gaël, ça va, j'ai le temps. Et après, comme colo pour le JO du colo, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être un petit dans le Nounours Thérapie. Avec les feux d'artifice là ou je sais pas. C'est trop beau et ça m'emmerde de. Ah oui, non, ça je l'ai déjà lu. Mais tu vas savoir faire, Cassie. Il n'y a pas de raison. T'as bien un vieux bout de carton qui traîne. Et du coup, ça a été à la mer. Ta mère, à la mer. Ça a été, elle n'a pas eu trop froid hier. Ouais, t'inquiète, je suis en train de prendre des exemples et ensuite, je vais utiliser une des feuilles plastiques pour protéger les livres que je relis.
Ouais. J'ai envoyé les parents à la mère, mais moi pas. Encore aujourd'hui? J'ai des loutres à finir dans mon boule de poils. Les petites loutres là qui sont sur le ventre là. Tu vois, là on l'entend plus elle. Y a rien qui va. Y a rien qui va. C'est quoi ce bordel? Non, une autre? C'est mignon des loutres. Coucou Macalina. Comment ça va? Avec ton icône chouchou là. Non, éclataxe, mais ça ira mieux après manger. Ouais, ça a été du coup ton rendez-vous. C'était relou. Du coup, tu dois te fatiguer, ouais. Voilà, j'ai pris des exemples et j'ai mis ça dans la wishlist. Ouais, les deux, je suis apte pour les 6 prochains mois. Faites leur bailliage. Lors de la sieste. La wishlist, ouais. Va falloir que tu la partages, la wishlist. Du coup, pour fêter ça, c'est McDo. T'as raison. Hier, j'ai mangé Becca, du coup, avec ma copine. Elle a pris celui, le Japan ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pris le Indian. Ça a été. Ça a été. Japon est pas mal. Ah, bah je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de japonais dans son sandwich quand même. Je vais jamais à BK, mais j'ai fait l'effort pour celui-là. Lol. Venant de toi, ça m'étonne même pas. Je t'avoue que la sauce soja qu'ils sont censés avoir mis, je l'ai pas senti. Ah, parce que oui, j'ai regardé son sandwich. Mais c'est quoi qu'il y a d'asiatique là-dedans? Comment l'Indian, ouais, poulet curry, forcément, ça se voit tout de suite. Girl in New York. Japan, il est pas mal, oui, mais pas asiatique. Voilà. Après, ils aiment bien les paniers, mais je suis pas sûre que les leurs, il y a beaucoup de fromage. Bah, c'est ça, un panier fromage.
Je sais pas si je fais tout le bas en jaune. Il faut que je fasse une deuxième couche, mais de l'essence sans odeur. Parce que je colorie comme une cochonne aujourd'hui. Of good, good night. Non, lundi, j'espère qu'ils vont être cool, mes petits là, parce que si le jour de mon anniversaire, ils me cassent les houilles, j'ai reçu un colis, et c'est pas moi. Ce n'est point moi. Alors, hein, voilà. Oli? T'as reçu un colis Oli? T'as commandé les boissons, là, c'est ça? T'as fait le mouton? Encore? Tu veux tester? Ouais, tu me diras ce que ça donne. Parce que c'est pas du thé, c'est de la poudre, c'est ça? Il y a ça que je voudrais tester et HelloFresh. J'aimerais bien tester ça aussi. J'ai pris le pack découverte. Ok. J'ai jamais été voir sur le site. Je me suis dit, non, n'y va pas. Ça t'évitera de craquer. Tu nous diras quel parfum il y a dedans? T'aurais dû me dire que tu voulais tester au lait frais. J'avais des codes de réduction quand j'achète des choses chez Micromania. Oui, mais là en ce moment je peux pas. Mais un jour peut-être, je testerai. C'est l'arrêt maladie, ça fait mal. En tout cas, prenez pas les cubes les water drop là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est de la merde. Ah bah tiens, il y en a une dans mon groupe Apsi Pro qui teste. Ils ont vu que moi j'avais une gourde avec les pads là. Et elle me dit, moi je teste ça. C'est de la merde, Waterdrop. Bon. Il y a des youtubeuses partenaires HelloFresh pour réduction si jamais. Ouais. Bah oui, Oli, c'est pareil. T'en as plein sur. T'en as plein sur Twitch. Des partenaires Oli. Moi, je peux vous donner des codes de réduction pour des serviettes Tena, si jamais. Non, je déconne. Hein. Il y a très peu de goûts qui sont pas trop mal. Ouais. Et toi, la gourde avec les disques, c'est bien ou pas, ma mère? Elle me demande. Bah, écoute, je bois quand même beaucoup plus depuis que je l'ai. Après, faut pas s'attendre à un truc de fou, mais si tu sens le goût. Mais tu sens que c'est fait goût chimique quand même, malgré. Bien entendu, moi je mets le goût coca. Mais par exemple, le raisin, j'aime pas. C'est lequel que j'ai aussi. J'en ai plein. Mais je sais même plus c'est que j'avais mis. Ah, ça marche. L'ananas, il est dégueu. Oh!
J'ai pas encore testé le citron. Ça, c'est quoi? Orange, peut-être. Ça, c'est pêche. Ça passe aussi pêche. Ça, c'est quoi? Je sais plus. J'aime pas comme ça sent. Mais je sais pas trop. Ouais, raisin, j'aime pas. Il me reste le citron et citron, ça à tester. L'ananas, j'aime pas du tout. Il faut acheter la gourde qui va avec. Bah oui. C'est Imitation Europe. AliExpress. Ou Temu. Je sais plus. Mais ouais, c'est un pad. Et quand t'aspires, t'as le goût dans la bouche. Alors qu'il y a pas, y a rien dans mon eau, quoi. Mais faut le soulever un peu. Faut qu'il soit. S'il est à plat, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est bon. Voilà. Mais bon, ça me permet de boire plus. Allez. C'est bien. Mais ouais, je préfère le coca pour l'instant. Parce que au lit c'est froid, c'est des trucs, c'est que des trucs froids ou il y a des trucs chauds aussi. Parce que je suis pas très thé. J'ai essayé hein, mais c'est vraiment à petite dose et il faut que je mette du sucre quoi. Sinon j'ai du mal hein. Ouais, c'est que froid, d'accord. Laurent, il va encore que dire que tu es un mouton. On l'a pas déjà entendu celle-là? Et vous l'entendez à peine celle-ci. Oh, au revoir. Je sais pas ce que c'est ça. Pas toi. Il y a énergétique, thé et aromatisé. Ok. Vous l'entendez pas beaucoup là. Ah, ça va un peu mieux maintenant qu'il y a la musique. Derrière. J'espère que ça va au niveau du taille-crayon aussi, que ça vous ouvre pas les oreilles. Je sais pas si j'ai mis le filtre ou pas, je sais plus. J'achète très souvent des eaux aromatisées, mais c'est tout le temps les mêmes goûts. Ah bah oui, en grande surface, c'est citron. T'as quoi? T'as citron pêche et je sais même pas si t'as menthe. Citron vert, fraise. Bonjour Monsieur Souffleur. Et je cherche. Bah ouais. C'est un pec? Ok. Là, moi, c'est que je voulais boire plus d'eau, déjà. Et bah, le cappuccino pour limiter un peu, en boire moins, quoi. Parce que bon, le cappuccino, j'en consommais quand même pas mal.
Et sachant que je mettais l'eau du robinet dans ma bouilloire, c'est ça aussi, à mon avis, qui n'était pas forcément bon pour moi. Du coup, là, je suis passée à des je prends le cappuccino de chez Starbucks, directement prêt, en fait. Et je rajoute. Enfin, je fais de la mousse à lait. Et c'est tout. Je mets plus de sucre. Mais bon, je pense qu'il est fort sucré quand même. Mais bon, j'en bois beaucoup moins. J'en bois plus qu'un par jour. Deux maximum, quoi. Mais oui, il y a des jours où je buvais juste un verre d'eau, quoi. Donc c'est pas possible. Je bois pas assez. Et puis après, bah, les maux de tête, bien entendu, hein. Non, quelle belle des belles. Du coup, Doudou, il s'en est pris une grosse aussi de gourde là. Il s'en est acheté une grosse l'autre jour à Decathlon. Bilan, bah, il boit beaucoup plus aussi. Caméra, una casa. C'est lié, mais il faut qu'il boive plus là. J'ai récupéré sa gourde ce matin et il n'avait pas bu hier. Je l'ai chopé. Il faut qu'il boive. Puis là, au cross, il la prend pas. Ouh là là, il fout ma gueule lui. Cappuccino Starbucks, faut que je regarde ça. Bah tu sais, au rayon frais. Ils font les petites bouteilles, mais là c'est en pack en carton. Je sais pas combien il y a de millilitres dedans. Bah, je pense que c'est sucré, oui. Starbucks. Ah. Sinon, je prenais aussi le carte noire. Ils en font aussi en bouteille. Rayon café, là, par contre, c'est pas au frais. Mais maintenant, je retrouve plus que la petite. Avant, ils en faisaient une grande. Et je prenais celle-là. Mais là, je la trouve plus à Leclerc, donc je sais pas. Par contre, si tu veux qu'une seule galette, parce que comme tu as dit, le raisin, ça sent pas bon, et que tu veux que Coca, tu peux pas. Je pense que c'est par pack. Ouais. Parce que là, j'ai même pas choisi mes goûts, je crois. Je sais plus. Je pensais en instantané. Avant, je prenais en poudre, là, où tu rajoutes de l'eau, machin. Mais non, là, c'est pas en. Il est tout fait quoi. Vu que j'ai plus de. Si j'ai une Senseo, mais c'est Doudou qui l'utilise la Senseo. Moi je l'utilise plus. Avant j'utilisais la Dolce Gusto, mais j'en ai acheté trois. À chaque fois il y a un truc qui déconne. C'est bon, ça me saoule. Can see my heart. Parce que je suis pas café, je préfère vraiment le cappuccino quoi. Comme ça tu attends, bah là sur Amazon j'arrive pas à trouver la marque de base. Air Up, ça doit pas être sur Amazon. Et quand tu prends les dupes, tu n'as pas le choix d'une seule saveur. Comment ça, tu avais un problème avec les Dolce Gusto, fallait me le dire. Pourquoi? Bon, ça fait longtemps, hein. J'en ai acheté trois. La première, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Soit c'est le truc qui fuit, machin, c'est une horreur. Une horreur. Le deuxième fois, c'est le. Quand tu l'as. C'est la petite tige là qui perce le truc. Elle est restée dans le café. Moi j'adore le café Senseo le plus corsé. Ouais, toi, t'en bois beaucoup. Moi, je suis pas. J'ai mis du temps avant d'aimer le café déjà. Mais je suis vraiment plus cappuccino. Mais c'est depuis que j'étais en station, ça. C'est pour combler le temps, je buvais pas mal de café. Et surtout l'hiver quand tu te cailles le cul. La mienne déconne aussi de Dolce Gusto. Bah oui, puis celle de Taz aussi, mais elle a trouvé l'astuce, elle. Oh, moi j'en avais marre. Toujours un souci. Nanana. Alors que ça vieillit. Je trouve que ça vieillit mal. Là, la Senseo, on le voit, hein, le truc qui fuit le joint. Hein. J'ai débrouillé, c'est la sienne.
J'en ai une de Dolce Gusto, elle a plus de 15 ans. Ah, arrête. Bah, peut-être que les premières, elles étaient mieux. Enfin, pourtant, j'en avais une du début. J'ai eu plusieurs modèles, mais. Dans les yeux. Je m'en sers pratiquement jamais. Ouais. En brocante, j'en ai chopé une à 5 euros. Il n'y avait pratiquement rien à faire en réparation. En fait, juste la personne n'avait pas des tartes. Ah ouais. Mais comme elle était un peu grosse, j'ai recommencé des capsules et j'ai profité pour avoir une piccolo. Je vois pas ce que c'est ça. Ou minimi. Je sais plus. Gratuite avec. Ah ouais. C'est devenu un de ces business aussi, le café. Oh là là. Tout est business. J'aimerais un percolateur. Une machine à glaçons aussi. Il y a beaucoup de trucs comme ça que les gens ne savent pas pour détartrer ou d'un seul coup ils trouvent que ça fait trop cher. C'est comme ça qu'en brocante tu peux acheter à 5 euros deux fois une soda stream. Ah ouais. Il y en a une, elle nous a donné la soda stream avec deux bouteilles plastiques neuves et elle comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et en fait, c'est juste que sa bonbonne de gaz, elle était vide et elle devait. Oh là là, je te jure, y a. Mais ils sont frappés, hein! Oh! Non, bah, je rigolerai toujours, c'est le jour où une nana, elle est revenue avec sa bouteille de déodorant, elle voulait qu'on lui remplisse. Non, madame. Ou ceux qui croyaient que on avait des plantations de petits pois dans la réserve, en fait. On faisait les conserves nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Y en a, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Regardez les chantons. Il y a des gens qui sont très crédules, qui croient tout et n'importe quoi. Ils voient un truc à la télé. Oh, c'est ça, c'est sûr, c'est vrai. C'est. Oh, non, en fait. Lol. Oh, mon Dieu, Cassie. Les chantons, les yeux. Faut éviter maintenant parce qu'il vite il te pète une tête si tu les regardes dans les yeux, les gens maintenant. Faire gaffe. Ça sent le vécu dans une. Ah, oui. 14 ans. Après l'autre, SodaStream, c'est un vieux qui avait acheté ça pour sa femme, pour son anniversaire, sauf que sa femme lui a dit qu'elle ne buvait pas de boisson pétillante. Lol, le pauvre, il avait fait une de ses boulettes. Bah ouais, là, c'est sûr, t'aimes pas les boissons gazeuses, c'est mort. Hein. Ça fait que ça, en fait. Hein. Vous êtes du magasin? Non, non, je fais. Mais c'est ça. Mais le pire, c'est quand t'es toi-même en train de faire tes courses dans un autre magasin, mais les gens te demandent aussi. Je dois avoir la tête de la meuf qui travaille en grande distrib, en fait. Non, mais je travaille pas ici. Laisse-moi tranquille. Non, mais puis t'as l'uniforme en plus. Je veux dire, le gars, il te pose la question, vous travaillez ici? Bah non, non, j'ai mis l'uniforme juste pour me faire un kiff. C'est ouf.
14 ans, toujours au même poste, et tu n'as pas évolué, mais comment ça se fait? Mais oui, c'est dingue. Et toujours au SMIC. Waouh! C'est ouf! Moi, j'ai mieux, c'est le client qui arrive vers toi. Il est descendu, il est rentré dans l'établissement, il te demande si c'est ouvert. Ouais. Bah, 14 ans dans cette boîte-là, sinon j'en ai fait depuis depuis mes quel âge? Grande distrib, je sais même pas. Depuis mes 20 ans, je dirais. Donc ça fait 20 ans. Je vais avoir 40 ans lundi. Ils vont dire que vous travaillez là, mais ils vont pas te dire bonjour. Mais en fait, vous êtes vieille, ça va? Oui. Grave. Ça se voit pas. J'ai mis du scotch. Je me rends compte seulement maintenant que ça fait 15 piges que je suis dans la même boîte. Oui, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Pourtant, peut-être une semaine après être arrivée, je voulais déjà me barrer. C'est ça pire. Je te jure. T'espères que le magasin brûle, mais non. Pendant que j'étais en formation, je voulais me Puis c'est là que tu vois plein de nouveaux arrivés et tu leur dis reste pas, sauve-toi, sauve qui peut, cherche ailleurs. Viens pas dans ce bourbier. Bah ouais. Un job pour dépanner au fil. Ouais, 15 ans après, tu y es toujours, c'est ça. Chaque midi en salle de pause, c'est là. Ah, je me barre la semaine prochaine. Punaise. Ah, faut, ça fait de la trace. Là. Ça fait de la trace. Ouais, pendant mes vacances, je vais chercher ailleurs, j'en ai trop marre. T'as des entretiens ailleurs, mais c'est la même merde. Oh, quand j'ai eu l'entretien, elle dit, mon Dieu. Oh my God. Non, mais oubliez, vous avez des enfants, madame. Hein. Moi, je veux pas en entendre parler. D'accord. Au revoir, madame. Aujourd'hui, je regrette vraiment de ne pas m'être écoutée depuis le début. J'ai travaillé dans un chenil de la SPA. On a eu des cas du genre, oui, bonjour, j'ai perdu mon chat. Ok, il ressemble à quoi? Bah, il est mignon, gentil, très câlin. Ok. Intermédiaire. Mais non, l'entretien à Aldi, mais l'horreur. Franchement, oh non, mais. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais. Être esclave pour un salaire. Enfin, ouais, j'aurais été mieux payée quand même. Aldi sont mieux payés, mais. Mais non, quoi. Je veux dire. Je veux un travail, je veux pas une prison, quoi. Ouais, casino. Là, nous, il a fermé, là. Bah, c'est un inter qui a repris. Il a fermé le casino qu'on avait. Du coup, on n'en a plus de ça dans le coin. Et c'est Cora, on n'en a pas dans le coin.
C'est quoi aussi? Colruyt, on n'a pas. Pareil, casino fermé ici, repris par Leclerc. Ouais. Bah, Leclerc avait tenté de reprendre, mais ils n'avaient pas la moula. Alors qu'il y a un autre Inter à même pas. À 1 km, même pas. C'est n'importe quoi. On a été racheté avec Lidl, mais j'ai dit bye bye. Ah ouais, non. Do you see what we've done? Gonna miss us so. Colruyt ont une très bonne mentalité vis-à-vis des employés. Bah, ouais, j'avais quand j'étais en Belgique Colruyt. Mais ils étaient très différents des Colruyt que j'avais. Bah, qu'il y avait sur Dole. Très différents. En Belgique, c'est pas du tout pareil. Mais les magasins, bah déjà, tu vends plus de bière, de frites et de clopes. Tu vends des clopes dans le supermarché, donc c'est déjà rien que ça, c'était tout nouveau pour moi. J'ai failli travailler pour Jouer Club et au bout d'un mois, je pense, d'apprentissage en vente, j'étais en réserve à porter des colis à 16 ans. J'ai mis un mois à me rendre compte qu'on me la faisait à l'envers. Ah non, mais c'est. Ils utilisent. Ils respectent les lois, mon homme me dit des trucs, je suis sidérée. Ah ouais? Que intermédiaire, non, intermédiaire, ils surfent sur les lois. Ils surfent. Ah là là, mon Dieu. Quand t'as ta pause une fois par semaine, voilà, c'est quand même compliqué, quoi. En une semaine, d'avoir une seule fois ta pause, ou, enfin, je trouve ça quand même. Puis après, ils s'étonnent que les étudiants veulent pas travailler chez eux. Travailler à la SPA, ça me tirait bien. Ah, moi, j'aimerais être en contact des animaux, mais non, je serais tout le temps en train de chialer. Ça doit pas être fou le salaire et les humains sont toujours aussi cons. Mais au moins, tu as des petits animaux qui demandent de l'entretien, mais d'amour aussi, et qui sont sûrement à vouloir en donner aussi. Mais ouais, par rapport à ce que moi j'ai vécu inter, bah oui. Mais nous, on n'était pas respectés du tout. C'est la boîte qui est prioritaire. Les employés, on n'est rien. J'aimerais la SPA, mais je pourrais pas. Ouais, cœur d'artichaut, moi, c'est pareil. Non, mais quand j'y repense, moi, déjà, rien que quand Manzoni, il m'avait. Quand j'étais en rupture de tonte au budget, c'était l'été qui commençait, et qui m'a dit: la prochaine fois que vous êtes en rupture de tonte au budget, je vous montrerai mon fusil de chasse. À cette phrase-là, j'aurais déjà dû partir. J'aurais dû me barrer. Oui, Cassie, j'adorais. J'adorerais, mais on m'a pas. Ah, non, tu adorais, mais on m'a pas gardé. La responsable était barge. Et j'ai fait une belle grosse dépression parce que oui, les humains. Ah, mais oui. J'y suis allée une fois, plus jamais. Je suis sortie en peur. Ouais. Rejulie. Les répliques cassantes de Manzoni. Mais oui. Je l'ai regardé de travers. Je l'ai regardé de travers, du style pour qu'ils comprennent que je savais que c'était son fusil de chasse qui parlait, mais je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas la tourner un peu perverse? Il s'est senti mal, il est parti. Mais tu dis pas ça, ou le fait de te dire d'arrêter de penser. Est-ce que ça se dit? Est-ce que. Je sais bien, je suis smicarde, donc oui, je suis pas vraiment forcée. Je suis pas censée réfléchir. Mais bon. Son adjoint est pire.
Bah, c'était Père Muller, mon responsable. Mais alors lui, quand tu penses, mais j'ai jamais vu une salade penser, moi. Ouais. Ah non, mais. C'est quand ça les arrange, tu sais. Un jour, t'arrives, c'est blanc et le lendemain, c'est noir. Donc toi, tu sais plus trop comment t'adapter, en fait. Hier, il m'avait dit que je devais faire ça, puis de cette façon, puis le lendemain, bah non, faut que je fasse une autre façon. Et à un moment, accordez vos violons, les gars. Hein, Ah non, ouais. Plus jamais. Ah. Là, c'est plus fort, j'ai l'impression. Pas pour vous. Ah. Bon, jaune, j'aime bien. Un petit coton-tige. Ah, il est neuf. Il a été scotché ou je rêve? Oh, je me suis fait arnaquer. J'ai pas fait gaffe. Il avait déjà dû être ouvert, quoique. Attendez, je les recompte. Suis sûre, j'en ai déjà vu peser des trucs, repeser les produits pour être sûr qu'ils faisaient bien tel poids comme indiqué sur la boîte. Tu dois en avoir combien à la base? 80. Allez, vas-y, vous avez 5 minutes. Là, vous les voyez bien? Focus. Vas-y, compte, Cassie. Manz. Mais oui! Ah non, mais moi, le pire, c'est la responsable frais qui va rechercher dans la poubelle un fromage qui est resté en caisse toute la journée. Que la fille de caisse a été mettre à la poubelle parce que personne n'est venu le rechercher pour le mettre au frais. Attends! Donc, elle a été le mettre à la poubelle et la responsable, elle a été le rechercher, le remettre en rayon. Voilà. Et ça arrive régulièrement. Hein. Je me souviens que. Au rayon fromage traditionnel, elle coupait ses trucs à même le sol des fois. Le dernier que j'ai acheté de coton se décroche. Ah ouais? Moi j'achète ceux chez Emma. C'est des spéciales cosmétiques, tu vois. Comme ça j'ai une pointe fine et une pointe. Ouais, une pointe fine et un côté plat. Je les aime bien ceux-là. Mais ils sont pas. Ils sont à combien? Je sais même plus. 2 balles et des, je crois. Ou des congélos, remets à la cam en vente. Bah le coup, c'est arrivé un été. C'est arrivé, il faisait super chaud ce jour-là. Au drive. J'en ai pas pris du coup. Et je fais mes commandes et tout. Et voilà une commande où j'ai du frais dedans. J'ouvre le frigo, je mets ma main dans le frigo et il fait plus chaud dans le frigo que dans le bâtiment. Je me dis, ouh, il y a un petit problème. Et j'essaye d'appeler le directeur de magasin et tout, machin. Ah bah il a dû lâcher. Faut tout remonter au magasin. Mais en fait, moi j'ai mes commandes à faire. J'ai autre chose à faire que remonter toute la cam. Ah bah non, vous remontez toute la cam en haut. Ouais. Et l'alarme, elle s'est mise à sonner peut-être 30 minutes après, tu vois. Alors que le frigo était déjà bien chaud. Mais ils m'ont tout refait remonter la cam. Ouais, démerde-toi. Bien du retard pour les commandes après. Du coup, bah, la pause de ce jour-là, vous pensez bien que je ne l'ai point eue. Qu'est-ce que j'ai fait de mon essence sans odeur? Ou le coup que le chopper, il m'a ramené la commande surgelée complètement dégoulinante. Et encore la même responsable frais. Ah bah non, vous la redonnez au prochain livreur qui vient. Pour la cliente, hein, c'est pas grave. Hein. Vous pensez bien. Quand Marie-Ange, elle reçoit sa commande, hein, Valérie, les produits restent dans le couloir. Hein. Il n'y a pas de risque, bien sûr. Bien sûr. Le truc, il se feinte, le carton, il est. Moi, j'ai pas pu. Hein. Je lui dis oui. Le pire, c'est qu'ils se sont fait rembourser en plus. Hein. Ils se sont fait rembourser. Hein. Mais non. Moi, j'ai remonté les produits au congèle en haut. Et j'ai remplacé par des autres produits parce que je suis avec la dame, elle avait des enfants en bas âge en plus. Donc, non, non, j'ai refait la commande. Mais bon, j'ai pas pu les jeter hein, parce que bon, bah, je suis fliquée. Hein. Faut savoir qu'il y a une caméra dans chaque allée.
Et que c'est le personnel qui est fliqué, pas les clients. Il est là. J'avais une blague. T'as pas vu, c'est plus drôle. Attends. Sommes-nous tous sourds sur Twitch? Arrête. C'est trop fort? Les derniers que j'ai achetés, le coton se décroche. Oui, ça je l'ai lu. Vu que tu n'arrêtes pas de bouger, je vais te dire à peu près que tu en es pas loin des 80, mais j'en suis pas tout à fait sûre à 5 près. Je vais faire des croix. Non, toi je vais te remplir, toi. Je suis perturbée là, de parler d'Inter, ça me... Voilà. Je suis pas sereine. Non, le son est bien. Non, les pubs. T'as eu une pub? Ils ont remis les pubs pendant le stream? Normalement, c'est quand t'arrives. Je crois. Parce que le son de Val est bas. Le micro, vous le trouvez bas? Attends, je suis... Et il m'a bien pris le bon micro, oui. Oui. Mais c'est Windows, je sais pas ce qu'il me... Dès qu'il y a une mise à jour, de toute façon, les paramètres, ils partent à volo. Voilà, la vieille expression. Come up! Et puis de toute façon, le micro, je peux pas le augmenter plus que ça. Non, il est bas de base, je sais pas pourquoi. Il est mort que tout le monde sait que moi. Une influence de canard qui en sortant de la mare. La fête. Ma barre de son est à 69. Ailleurs, je la mets pas aussi haut. Ah ouais? Ouais. Il y a des années, j'étais chez eux. Ils m'ont viré injustement. Je donnais tout. J'ai gagné au prud'homme des années plus tard. Chez qui? Intermédiaire? Oh, les pubs, oui, c'est une horreur. C'est quand je regardais un stream. Non, M6 Replay, là. Je regardais Marié au premier regard. La moitié des pubs, ça allait. Et il y a eu la pub Lidl d'un coup. C'était super fort. C'était horrible. Je vais te dire, j'ai pris le nouveau téléphone, là, et j'ai du son. Tout va nettement mieux que quand j'avais l'ancien téléphone. À tout à l'heure. Et qu'on entendait à peine ta voix, c'est encore moins et encore moins la musique. Donc il y a peut-être aussi une mise à jour qui se fait plus avec Twitch. Bah je sais pas. Mais moi je sais qu'avec mon téléphone, j'ai un son pourri. Hein. C'est pour ça que la plupart du temps, bah, je viens chercher mon casque que j'ai toujours pas réussi à recharger. J'arrive pas à le recharger. Je sais pas ce que j'ai fait de la prise. Pourtant, genre, il me semble que j'ai des adaptateurs. J'ai essayé, mais ça, il veut pas. Donc le jour, il va me faire low battery. Et ben, il va être, il y aura plus de Bluetooth.
Non, mais moi je sais que dès que j'ai une mise à jour Windows, j'ai tout qui déconne. Le micro, les webcams. Et quand j'ai une mise à jour OBS, c'est reparti. Y a pas. Ils n'arrivent pas à communiquer entre eux correctement. On va enlever l'aspect du papier parce que j'aime pas ça. Il y en a, ça les dérange pas, mais moi je sais que j'aime pas. Non. Ah, je préfère. N'est-il pas? Mon café, j'ai fini? Non. C'est ça aussi le fait de boire du café froid. Tu peux le boire toute la journée. Il est froid quoi qu'il arrive. J'ai craché là. Il va falloir que je me refasse des glaçons. Je suis en train de penser, on fait des glaçons avec l'eau du robinet, mais l'eau du robinet, elle est pas ouf. Ça craint. Ou tout est... Elle devient nickel parce qu'elle a été congelée. Quel est votre avis là-dessus? Ah! Il y a Simone et la faim. Elle est toujours bloquée là. Est-ce que je peux faire le bleu avec? Oh, mais oui, ça va pas. Absolument pas. Toujours aussi dégueu. Mon avis, c'est que ça craint, meuf. D'accord. Ok. Du coup, là, je me suis acheté la Brita d'action, là. Bah, du coup, j'achète plus d'eau. Plus de pack d'eau. Ça n'a pas dérangé les enfants, le changement, ni le chéri. Donc, écoutez. En Thaïlande, on nous dit de ne pas boire l'eau du robinet et de demander toujours sans glaçon parce que c'est fait avec l'eau du robinet. Ah ouais. Bah écoute, ça va. Parce que je sais que moi, je ne buvais pas l'eau de mon robinet avant. Hein. Non. Le goût chlore, le goût d'eau de Javel, tout ça, là, je... Non. Non, 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 non. Et là, bah, ça va, ça passe. Sans souci. C'est mieux comme ça. Hein. Je fais une fixation sur elle, Tate McRae. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Tate McRae. Non, 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 bah, quand j'ai vu, je l'ai pris la. Je vais y arriver à faire une phrase. À action, elle a 9 balles, je crois. Et les recharges à 2 et quelques, je crois. Il me semble. Ou 5. Je sais plus. Bref, de toute façon, c'est moins cher que la vraie. Je l'ai vu la vraie à Leclerc. Je l'ai regardée avec mon homme. Je dis, bah heureusement, j'ai pris à action parce que, waouh, la différence de prix, elle n'est pas négligeable. Hein. Il faudrait que je trouve le bleu, ça me va pas. Ah, merci pour Simone. Ah oui, c'est super cher, Brita. Hein. Surtout que là, les recharges, du coup, elles te font un mois. C'est 4 semaines. 4 semaines et tu la changes. Sachant que les deux premiers bains que tu fais, faut pas les consommer. Mais j'ai pas de bleu plus.
Là, c'est gris, c'est pas bleu. Ouais, c'est gris, ça. Je vais prendre un. Ah ouais, mais les bleus Prisma, ils sont pas fous. On va peut-être prendre celui-là quand même. Celui-là. Never touch me. Après, il faudra que je fasse Pegasus. Du coup, ça commence quand là les JO? Que je sorte pas de ma grotte? Parce que chez Camien, ils sont au village, ils reçoivent aussi, donc ça va être un. Demain. Oh, mercredi, j'ai encore appuyé sur mon clavier, moi. Ouais, grave, les JO, mais. Ah, c'est bien, Kalina. Le 26 juillet? Ah ouais, ils font déjà tout un foin là, alors que c'est pas avant juillet. Ça va, c'est pendant les vacances. Parce que là, rien qu'avec l'école, là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rabattre le caquet avec ça, là? Déjà, rien que la photo de classe était sur le thème des JO. Bon. Quatre avant toi, prépare-toi. Kalina! En plus, je t'ai même pas donné l'interphone. Donc s'il a pas le badge, il peut pas rentrer. Oui, je viens de comprendre. Je te jure. Des fessées. Un coup de fouet. Je sais pas si je l'ai mis comme ça ou je sais plus ce que j'ai fait de mes alertes. Je sais même pas faire un point d'exclamation, alors. Hey! Oui, là, mon numéro, oui. Là, c'est le livreur du colis de Sèvres, là. Je suis au. Oh là là. Putain, ça va pas. De toute façon, il va m'appeler. Hein. Celui de Sèvres. À minuit 52, je reçois le message, s'il te plaît. Le livreur a besoin d'aide. Non, mais. Il y a un problème, là, monsieur. Je sais plus ce que je voulais ouvrir. Si, WhatsApp. Hop. Taz est au bout de sa vie. Elle a des ongles là. Enzo, il faut qu'il aille récupérer sa voiture, mais il peut pas le faire tout seul. Il est obligé d'embêter maman. She know I wanna get Vous allez bien rire, ils n'ont pas réussi à vendre tous les billets des. Alors ils les ont envoyés. Mais. Ah non, mais c'est ça, il préfère jeter. C'est ça, hein, tu regardes toutes les. Je suis plusieurs comptes Instagram d'Américains, parce qu'en France, c'est interdit de faire les poubelles. Mais ce qu'ils trouvent, c'est. Ils préfèrent jeter que.
Là, ça va, il donne encore. Parce que nous, en terre, ils font pas les anti-gaspi. Non, non. On donne pas au personnel non plus. Enfin, ce qu'on leur donne, c'est les périmés. Vous voyez, à Noël, une petite boîte de Ferrero Rocher périmée. Les... Ah, les... Il n'y avait pas beaucoup de Ferrero Rocher, il y avait beaucoup plus de Mon Chéri. Hein? Les Mon Chéri périmés, ça, voilà, ça, ils donnent à tire de bras. Les chocolats de Pâques que les gens ont écrasés, ouais. Ça, ils donnaient. Sinon, rien. Non, ils donnent à Emmaüs toute la casse qu'on bip, qui se font rembourser en partie, machin. Qu'on fait signer à Emmaüs, voilà. On fait 3 rolls par jour, je dirais. Mais le souci, c'est que à l'arrivée de Monsieur Madame, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se servir dedans. Voilà. Alors que ça a été bipé et tout, et qu'on fait signer à Emmaüs comme quoi il y a tant de marchandises. Voilà. Ça m'a. Ça passe pas, ça. Ça, j'ai du mal. Tu parles d'anti-gaspi, mais justement, les personnes qui travaillent pendant les JO ont demandé s'ils pouvaient avoir même une réduction. On leur a dit non, c'est normal, Emmaüs s'est retiré. Mais bah oui, ils se font encore ça en plus, mais ils piochent dedans. Ils se servent tous les jours dedans. Alors que s'ils te le donnent à toi, ils n'ont pas de réduction d'impôt. Non mais. Moi, ça me. Se servir dans les dons. Mais on est d'accord. T'as pas besoin de ça. T'as 6 bagnoles. Ça te sert à. Enfin. Et il passe jamais en caisse. Monsieur Manzoni passait en caisse. Enfin, sa bonne passait en caisse. Elle passait en caisse, elle avait une carte fidélité, tout ça. Là, mes patrons ne passent jamais en caisse. Ça se sert toute la journée. Mais non. Et après, ça s'étonne que l'inventaire est faux. Plus en ont, plus. Mais c'est. Je te dis, tu n'as même pas un stylo. Un stylo, c'est déjà trop. Non, tu as besoin d'une tenue. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui aient besoin d'une tenue en même temps que toi, sinon tu ne l'as pas. Je me souviendrai toujours pour mes chaussures de sécu. Maintenant, mais Valérie, j'ai des frais de port. Bah oui, bah moi quand je commence, j'ai des frais de port aussi. Meuf. Non mais. Bah du coup, bah, je me suis commandé moi-même mes chaussures de sécu. Hein. D'ailleurs, il faudra que j'aille les récupérer un jour, si elles sont encore là-bas. Mais ah non, je comprends pas cette radinerie au possible. Même quand ils font des cadeaux, un cadeau de fin d'année, on en a, voilà, j'en ai eu peut-être 3 en 14 ans. Mais par exemple, quand ils offrent des bouteilles de champagne, ah bah non, vous buvez pas d'alcool, Valérie, vous n'en avez pas. Ah bah Aline, vous êtes enceinte, vous n'en avez pas. Enfin, pourquoi? Je veux dire, c'est pas parce que tu ne bois pas d'alcool que, enfin, tu peux pas avoir ton cadeau et je sais pas, ne serait-ce que l'offrir ou la sortir quand tu reçois du monde ou, enfin, je sais pas. Moi, mon père, quand il travaillait à récupérer les déchets médicaux et c'était toujours difficile de pouvoir se garer dans Paris, ayant des laboratoires étaient à côté d'un resto du cœur. Une Porsche était garée sur son emplacement de livraison. Il a vu descendre un médecin qui allait au resto du cœur pour récupérer. Oh là là. Le monde va mal. Et c'est pas forcément. Enfin. C'est à cause d'une certaine. Un certain genre de personnes qui. Voilà. Qui profitent de. Voilà. De tout. Ils profitent au détriment des autres. C'est. Moi, ça me dérange. Et ça les empêche pas de dormir, ces gens-là. C'est.
Il a été les voir pour leur expliquer que la Porsche, elle gênait et que ça serait bien que le médecin, il la déplace. Les mecs du Resto du Cœur, ils étaient outrés. Ils savaient pas que l'autre, c'était un médecin. Et encore moins qu'il roulait en Porsche. Apparemment, le médecin venait quasiment... Oh là là! Non mais t'as des rats, mais des rats! Oh là 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 là, c'est ouf! Ça rend dingue. Lui, il savait que c'était un médecin parce qu'il faisait tous les laboratoires. Il... Bah oui. C'est ouf. C'est honteux. Tu vois, ces gens-là, ça les empêche pas de dormir, quoi. Moi, quand je m'aperçois que j'ai un truc dans mon caddie et que j'ai oublié de le... Je suis limite comme ça. Il arrive vers chez moi. Bon. On se prépare à la suer. Bon, il va le mettre dans la boîte aux lettres, sinon, non, tu penses pas? Je vais mettre un vibreur. Tu t'es pas mis dans le camion avec lui? Arrête-moi, ça me fait penser au livre de Johanna Basford que j'avais bipé et que... toujours. Des fois, ça t'arrive, c'est avec le pack d'eau ou quoi, et puis t'oublies de le dire ou machin. Mais bon, maintenant, moi je demande plus de tickets nulle part, donc elles peuvent m'arnaquer comme elles veulent, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des boîtes qui le fassent. Le surbipage. La petite victoire porte bien son nom. Le pack d'eau, ils font super gaffe. Par contre, si tu leur dis que tu as le deuxième article sur dans le caddie, d'autres choses, ils te disent que oui, ils l'ont vu arriver. Oh, ça dépend. Il y en a, elles sont beaucoup moins. Déjà, il y en a, elles ont du mal à demander une pièce d'identité pour un chèque. Alors, puis toi, tu le fais, on te regarde comme si tu l'avais lui avais demandé un rein, là. Non, en fait, juste ta pièce d'identité, c'est ce qui est stipulé partout dans le magasin. Voilà, je t'ai pas demandé un rein, je veux juste faire mon boulot. Voilà, parce que moi, je sais qu'on va me toquer par derrière. Ah, t'as pas pris le chèque? T'as pas pris la pièce d'identité pour le chèque? Nanana nanana. Ouais, mais Christelle, elle le fait pas. Ouais, mais c'est Christelle. D'accord. Excuse-moi. C'est vrai, je suis pas ta copine, alors ça marche pas si moi je le fais pas. De toute façon, maintenant, ils pr le prennent quasiment plus le chèque. Ouais. Non, puis nous, c'était galère parce qu'on prenait des chèques, mais on prenait pas les chèques hors département. Alors, quand on a qui viennent depuis le 59, et puis tu lui refuses son chèque, oh, c'était la misère. Moi, c'était quand j'étais en station. Ben, moi, j'ai que ça pour payer, madame. Je fais comment? Ah, puis c'est pas normal. Et puis machin. Et puis ça. Puis du coup, tant qu'elle est là, tu peux pas débloquer la pompe derrière. Donc, t'as l'autre derrière qui t'insulte aussi. Putain. C'est tout un. Donc, ouais, non, ça me manque pas. Puis après, on te demande pourquoi t'es stressée, pourquoi t'es angoissée, pourquoi tu fais des cauchemars. Parce que le monde est étouffant.
J'ai peur de rien entendre en fait. Mais de toute façon, vous allez l'entendre si ça sonne, vous. Mimi and me call me on the phone. One of the fuse, me confuse. Baby. C'était marqué qu'il était né en 1886. Il a refait sa carte d'identité quand il était encore carton. Mais c'est pas possible. Mais allô? Ils peuvent pas se relire avant de valider un truc à la mairie ou? Et on doit les refaire, nous, nos pièces d'identité. Là, elles sont plus bonnes depuis. Mais bon, tu peux les garder 5 ans encore après la date, je crois. Mais il va falloir qu'on les refasse. Puis il faut qu'on les fasse pour les enfants. Mais ça va être encore une tanasse sur Amiens pour avoir un rendez-vous ou quoi, là. Oh. J'ai failli en coller une à une cliente tellement elle était infecte avec une caissière, mais c'est pas un gilet pare-balles, range ta mauvaise humeur et souris. Alors, entre ça et ceux qui sont au téléphone qui captent même pas, ça c'était. Moi, tu me dis pas bonjour. Ah bah je vais te le faire remarquer direct. Hein. Moi, de toute façon, c'est du donnant-donnant. Hein. Je suis avec toi comme t'es avec moi en fait. T'es une connasse, je vais être une connasse. T'es agréable, je vais être agréable. Je suis un peu miroir. Mercredi, quoi. Mais vaut mieux les refaire. Franchement, maintenant, elles ont une taille de carte bancaire, c'est mieux. Ouais. Et la carte vitale, ça devait pas être changée aussi, ça? Oh non, t'as ceux qui sont avec leur téléphone, là, qui ne calculent même pas, ou qui te jettent les trucs, là, avec le sac. Oh. Moi j'attends. T'as pas fini ta conversation, moi j'attends. T'es pas prêt pour moi. Parce que bon, moi je suis pas celle qui fait bip. Bip. Non, moi faut que ça. Moi plus vite t'es parti, mieux je me porte. Pour moi, c'est. J'aime pas avoir du monde qui attend. J'aime pas. Puis de toute façon, non, c'était avant il y avait la productivité. Il y avait les primes de productivité, maintenant il n'y a plus. Mais il y en a, ils devraient les remettre à certains endroits parce que bah. Je suis passée, c'est l'autre jour, à Leclerc. Elle arrêtait pas de piapiater avec la cliente qu'elle était en train de passer, mais du coup, elle fait pas attention à ce qu'elle fait. Et elle a passé au moins 5-6 articles à moi. Bah, je l'ai laissé faire. Hein. Elle a enlevé, il y avait une barrière. Hein. Elle y va, elle continue de piapiéter. Puis c'est une fois qu'elle commence à ranger mes affaires dans ses sacs, elle se dit « Ah bah c'est pas à moi, bah ouais. Réveillez-vous les meufs. Franchement, ils devraient mettre le tout ensemble, comme ça il n'y aurait plus de problème. Je file ma carte vitale à. Bah oui. Je connais un barman, si tu dis pas bonjour, il dit et un café, connard, hein. Ah moi j'avais le truc, c'est quand ils viennent t'alpaguer dans les rayons, quand j'étais au drive, toutes les 5 minutes, ils viennent te demander, parce que les gens ne cherchent plus maintenant. À peine rentrés dans le magasin, ils cherchent quelqu'un pour faire leurs courses à leur place. Mais non, en fait, puis déjà, là, je suis en train de travailler. La plupart du temps, t'es déjà en retard. Tu rêves d'aller faire pipi. Et là, on t'alpague, je cherche machin, machin. Et puis elle s'attend à ce que tu l'emmènes dans le rayon. Je lui dis, c'est dans le rayon numéro 30. Et puis déjà, elle ne dit pas bonjour. Puis elle voit que je veux continuer d'avancer. Non, mais je vous dérange. Bah écoutez, je travaille, madame. Donc, un petit peu. Si vous voulez vraiment quelqu'un qui puisse vous parler ou quoi, vous allez à l'accueil. Moi, j'ai autre chose à faire, quoi. Je travaille. Moi, ça me gonflait. Puis elle a vu que ça me gavait, donc ça la gavait, mais bah, c'était gavé, moi aussi je suis gavée. Tout ensemble, identité, sécu, permis, une carte pour tout. Ouais. C'est vrai que ça serait bien. Mais bon, tu la perds, t'as mal au cul. Vous avez entendu sonner ou pas?
Je vais peut-être baisser mon son, moi. Bah, la moitié des gens, ils ne seraient pas le même avec leur pièce d'identité, alors ils ne risquent pas de la perdre. J'avoue que moi, je sors rarement avec mes papiers. Hein. Là, pour aller chercher les enfants à l'école ou quoi, plupart du temps, je prends rien. En plus, la nouvelle carte d'identité, tu peux l'avoir sur l'application gouvernementale. Ah ouais? Il n'y a que sur cette application qu'elle officielle et utilisable. Tu surveilles, ok. Major luck. C'est le dernier colis que j'attendais. Je fais à Doudou, ouais, je vais descendre. Il est plus très loin. Tu pars, il a fait un. Il était là, il est reparti. Puis après, je fais, qu'est-ce qu'il fait? J'attendais, j'attendais. Heureusement que j'étais descendue parce que bah, il avait pas de badge, il pouvait pas rentrer. Puis moi, je voulais pas qu'il sonne, il y avait la petite qui était à la sieste. Parce que là, il va sonner. Il va sonner une fois à l'interphone dehors, il va sonner interphone en bas. C'est bon. Puis si en plus il monte et puis qu'il sonne à la porte, c'est bon. Il y aura un peu de retard, mais il va falloir aussi que tu me. Ah, mais ça suffit les meufs. Non? Mais non, en fait. Non, hein, c'est bon, tu m'avais déjà pris Non, c'est bon. Les Pentel, moi je les ai pas oubliés. Hein. Cassie, tu vas te détendre la nouille. Hein. Bah non. Bah non. Là, elle a déjà pris son téléphone et puis elle a envoyé un message à. Ah bah Taz, elle est plus sur Insta. Puis embêtez pas Taz, elle est pas d'attaque aujourd'hui. Non mais il n'y a pas de. Je vais pas garder ça chez moi. Nothing. Oh. Il est dans ta rue. Oh. Tacos, j'ai jamais mangé de tacos. Je suis en train de me dire, elle mange un tacos, Simone? J'en ai jamais mangé, moi. Non, j'ai jamais mangé de tacos. Hashtag. La bidoche, on en mange souvent. La viande et des patates. Ça me dit quelque chose, celle-là. Ah non, non, écoutez, hier, elle a entendu celle-ci. C'est pour ça que ça m'en vient. Mais hier, vous avez été dégueudin, hein? Oh. 11 subs. Mais sérieusement. C'est pas possible. C'est papy surtout qui est pas possible. Ah oui, madame. C'est cool, là, il fait beau. Mais je sais que ça va pas durer par contre. Mon coton-tige. Mais Simone, elle est forte, hein. Elle perd rarement des battles maintenant, je trouve. Oh, merci. Et sans odeur, mais sérieux, ils auraient pu ça, appeler ça autrement parce que franchement, je suis désolée, c'est pas sans odeur. Hein. Les bruits de fenêtre, ils ont une odeur.
Ouais, je sniffe. Du coup, mardi, je pense que je ferai peut-être pareil, je commencerai le live beaucoup plus tôt. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, qu'on fasse Pegasus. Colis livré, tu vois, dans la boîte aux lettres, du coup. Tu veux que j'aille vérifier? Tu serais rassuré? Toi, ils se font même pas chier à sonner. Ok. Je vous mets sur le truc de pause, je reviens. Soyez sage. Incredible, incredible. Va falloir qu'on discute, Kalina, parce que là, je crois que t'as fait une dinguerie. Il a galéré à le mettre dans la boîte aux lettres. C'est pas normal. Pourquoi c'est aussi gros que ma tête? J'ai très peur. Je suis. Qu'est-ce que t'as fait? Je te jure. Moi, tu sais pas, ouais. Putain, le truc, il est plus gros que ma tête. Oui, il a galéré. Il aurait dû sonner, le monsieur. Ça passe dans la boîte aux lettres, ouais. Pas possible, ça. Hein, Bella? Ouais. Va aller la choper, hein. Tu vas aller choper Kalina. Sur ce, je vais me faire vacciner. Ouais. Encore une fois. Tu vas pouvoir dire du mal. C'est parti, Bella. C'est bon? Ah. Viens, Mimi. Viens faire la bagarre à Kalina. Viens faire les gros yeux, Kalina. Fais les gros yeux. Gros yeux, Kalina! Qu'est-ce que t'as fait? Tantôt. Ciao. Fais coucou. Coucou. On envoie des bisous. On envoie des bisous. Oh, tes poils. Oh. Oh. Il faut arrêter, madame. Hein. Ah. Dirk. Dirk. Va falloir que je ressorte le gant, mais bon, de toute façon, t'as fait toute la nique, ton père. Mais là, un peu plus que d'habitude, quand même, hein, j'avoue. T'en as mis plein les prismas. Ah, tu veux sentir le carton? Il est gros, hein? Tata Kalina, elle fait des bêtises. Ouais.
Ah, ça vole de partout. Faut pas être allergique, hein. Ah bah ouais, qu'elle a. Bon courage, Macalina. Okay, Oh. Alors, on va ranger maintenant parce que sinon je les rangerai pas. Je me connais. 13. Ah. 36. Tu vas où, Biboune? 32, 33. Au revoir, Biboune. Va dehors, je crois que le salon, tu peux aller dehors là. J'ai laissé ouvert, je crois. Ce matin, je lui ai montré un matou dehors. Roméo. Il s'appelle Roméo. Il est du bâtiment d'en face. Il y en a, ils sont toute la journée dehors. Ils sont vraiment pas sauvages, il y en a. Et du coup, c'est dans les macarons qu'il y en a des nouveaux. Parce que moi, j'en ai que 50. C'est ça? Ouais, j'en ai que 50. Il n'y en a pas 72 maintenant? 49. Ah, il y a un souci là. Il y a un souci. C'est toi? Ben non. Pourquoi on... C'est celui-là que j'ai mal remis. Doudou va rentrer, il va voir la tête du colis, il va me faire qu'est-ce que t'as fait encore? Je fais, c'est pas moi. Déjà l'autre jour, quand le colis de Sèvres est arrivé, il y en a 72 maintenant, ouais. Et voilà, il a pris. You Il a pris du rose. Qui a pris du rose? Mais oui, t'as refait une. T'as refait une copulation quand, toi? Il a rechangé, là. Ah, on est d'accord. Ça suffit. Cassie. Je sais pas ranger mes crayons, moi. Je suis toujours obligée de tout déplacer. Non, c'est le 9. Là. Bah, les 72, bah, je les aurai quand j'aurai fini ceux-là. Hein. Quand il faudra du backup. D'ici là, ils en auraient sorti une gamme de 120. Aïe. Faut vous fermer, madame. On aime bien le rose. Mais elle est mignonne, Simone. Vas-y, j'essaye de faire une battle pour voir. Ah, du coup, il y a le Dragon's Eye que j'ai rajouté. Faudra que je le rajoute de la même couleur que le reste, sinon ça fait un peu bizarre. Attends, elle est où la battle? En bas? Non. Il y en a trop. Je vais tout enlever. Ah, il est moche! Ah, le deuxième, il est moche! Ça va. Je gagne quand même. C'est bien. On va passer level 32. Ah bah j'ai reçu un message aussi comme quoi ma commande a été livrée. Super, merci. Bon, alors, il faut que je fasse Pegasus là. Mais de toute façon, sur l'image de ref, il n'y a pas d'ombre, rien du tout. Mais je vais mettre un peu, je mets un peu de gris. Qu'est-ce que je prends comme gris? Allez, passe niveau 32. Tu peux le faire. Oh, 10 XP, elle veut pas. Hein, elle veut pas. Attention, en même temps, j'ai tellement baissé les points que ça rapporte peut-être plus, c'est ça, 10 points. Ouais. À 10, il y a quoi qui... Ouais, tout, j'ai tout mis à 10, il n'y a rien qui est plus. C'est peut-être pour ça aussi que ça monte pas.
Ouais, je remonte peut-être un petit peu certains trucs. Faudra qu'on se réunisse et qu'on en discute. Ça y est? Non, elle veut pas. Elle a pas envie, Simone. Elle a dit non, 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 je veux pas vieillir, moi. Mais je sais pas jusqu'à quel niveau ça peut aller. J'avoue que j'en ai pas vu sur d'autres chaînes que les nôtres. Je sais pas si tes points de chaîne font que ça ne monte que à 10. Avant, tu avais mis différents points. Je crois que ça montait. Non, mais avant, c'était plus que 10 points de chaîne. Et du coup, bah, ça montait plus. Ça faisait plus d'XP, je crois. Ah, mais est-ce que je peux modifier sur quoi? Parce que là, non, sur l'extension, c'est avec les bits que tu peux augmenter. C'est dans les points de chaîne du coup. À Twitch, il faut toujours réfléchir à... Quoi? À quel caddie? A pas compris la dame? Appelle-moi Jus. Ah oui! Il est beau le deuxième là. Ça allait. Mais t'arrêtes avec tes crédits, ti? Oh! Oh! On était synchro. Oh! Oh! Si je remets, c'est 5 pour la pomme. Allez, on va modifier, on va mettre 10 pour la pomme. Si je change le prix, est-ce que ça va? Hop, enregistrer. Le steak, on le met à... attends. On le met à combien le steak? On va essayer 100. Voilà, 100. Je mets le steak à 100. J'ai mis le steak à 100. Alors, one steak. Ah oui, mais moi je suis con. Moi je suis biaisée. Moi j'ai toujours un XP. Bah, quel con. Alors, dans le combat, il prend bien en compte que tu as deux compagnons, qu'il appelle deux compagnons excités et que... Ah ouais, j'ai 20% plus. Tu vois des trucs que je vois pas. Et tu penses qu'après, je vais finir par en avoir tout plein autour de moi? Je vais te montrer ça sur Insta. Ok. Il est pas beau, hein? Le noir et blanc, là. Dirk. Dirk. Ah, faut que j'enlève mes réveils aussi, faut que je pense à ça ce soir parce que moi non, ce week-end, j'ai pas envie qu'on me... Ses chances de survie étaient très faibles, voire inexistantes. Un peu moins d'un an après avoir reçu le diagnostic d'un cancer du cerveau connu pour être incurable, le professeur australien Richard Scolyer a utilisé son propre traitement expérimental pour soigner la tumeur particulièrement dangereuse qu'il avait eue au cerveau. Il a fait savoir que son dernier scanner a montré qu'il n'avait aucune récidive de la tumeur. Diagnostiquer que ce cancer, dont la plupart des patients meurent en un an au mois de juin 2023, Richard Scolyer, je sais pas, est devenu le premier patient du monde atteint d'un cancer du cerveau à bénéficier d'une immunothérapie préopératoire combinée, ainsi qu'à recevoir un vaccin personnalisé en fonction de sa tumeur. C'est d'ailleurs grâce à son travail qui permet désormais de sauver la vie de la moitié des patients atteints de du mélanome, contre 10% auparavant, que Richard Scolyer a été élu Australien de l'année. Bah, bravo, monsieur. GG vous.
C'est où qu'on peut trouver ces petites créatures? Dans les extensions, c'est Dragon Pet, ça s'appelle. Et tu peux le mettre en français. T'as le choix entre dragon ou Shiva. Je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Mais t'as deux espèces. Vous avez perdu. Bel effort. Ah ouais, t'as des éléments eau, feu, tout ça, machin. Niveau 31 contre 37. Vous avez perdu ici. Vous avez deux. Ah ouais. Bah ouais. Mais je sais pas combien je vais en avoir si je. Et qu'est-ce que tu m'as envoyé après? Ça suffit, Cassie. Cassie, elle envoie toujours des trucs, je vous jure. Fury, moi j'ai Fury. Ah, c'est un Fury, d'accord. Ouais, toi, t'as un autre, toi. Comme Kaël. Et puis, si jamais t'as des streameuses qui ont aussi l'application, on peut se battre entre nous. On peut choisir, on peut aller chercher le tien. Je savais pas qu'on les trouvait sur Twitch. Je suis perdue sur. Ah non, mais les extensions, c'est. J'en ai essayé plusieurs, mais. Non, celle-là, elle est sympa, je trouve. Elle est assez ludique. Et la gourde, c'est pour moi. Tu peux aussi copuler. La copulation, elles aiment. Bah du coup là elle a changé des 3 fois en un stream hein, quand même. Hein. Hein, vous avez un petit peu abusé de la copulation. Normalement c'est un par stream. Mais non, elle est sympa, Simone. Simone et Janine, elles sont sympas. Yes. Parce que oui, Gaël, il y en a beaucoup qui ont le même truc que Gaël, mais c'est sur stream. C'est sur Steam. Et c'est payant, quoi. Donc moi là, c'est gratuit. Hein? Radinerie, non. Non, puis ça leur fait utiliser leur point de chaîne. Faudrait que je remonte un petit peu les points, ouais, comme ça, elle ferait peut-être moins de roulettes, il y en a certaines. Que je remets peut-être un dé. Je sais pas si je remettrai roulette ou défi de la mort en premier. Mais non, tu fais ce que tu veux, Jus. Il n'y a pas de souci. Parce que oui, avec cette application-là, tu peux soit utiliser les points de chaîne, soit via Bits. Après, ça dépend si tu es sur tablette, sur téléphone ou. Waouh! T'as 72K? Comment je vais te les faire cramer? Sais pas si je rajouterais faire un duo ou je sais pas ce que je peux faire. Mais oui, j'ai pas de truc très très cher en fait là maintenant. Hein. Parce que j'avais mis le colo de la mort, mais bon, il est toujours pas fini mon machin. Dans le. Quand c'est des colos, non, comme ça, assez. Complexe et compliqué. L'Atlantide, ouais, non, j'y ai pas remis les pieds, c'est vrai. J'ai encore celui-là. Je l'oublie vite. Faire un duo, ouais. Roulette, ma biche, ouais. Je la remettrai la semaine prochaine, la roulette. En espérant que ce week-end, je puisse colo. Je suis en train de me demander ce que c'est là. C'est son aile? Elle est pas un peu bizarre, son aile? Remember. Ils ont enfin fait un abonnement Twitch pour tous nos streamers. Quelqu'un connaît là? En fait, je comprends pas trop ce système. Tu payes Twitch, mais du coup, tes streamers, ils ont rien. Tu veux. C'est pour Twitch en fait, l'argent. Ça va pas du tout pour les streamers, mais t'as plus les pubs. Je trouve ça con envers les streamers, quoi. Enfin, je sais pas. Vos emotes, vous les trouvez sur Etsy ou vous avez des sites à conseiller? Moi, elles viennent d'Etsy. Oui, Etsy. L'overlay vient d'Etsy aussi. Celui-là, ouais. Il vient d'Etsy. Celui que j'avais fait avant, je l'avais fait moi-même, mais. Je me lasse vite, moi. C'est ça le souci. Mais oui, non, mais les emotes, elles viennent de Etsy, ouais. D'ailleurs, j'en ai vu.
J'en ai vu des nouvelles. Bah, je sais que je vais prendre celle-ci là, que j'ai eue chez Ma Vie Normale, mais je pense que je vais l'acheter pour moi-même. Parce que j'adore les pigeons. Bah non, ça soutient pas les streamers en fait, je trouve ça. Déjà là, leur nouveau truc, maintenant tu. Oh, le gros. C'est vrai. Il n'y a personne qui veut follow pour changer le nom là. J'avais pas vu qu'il y avait encore Vive le Chaos. C'est réparti entre tous nos streamers? Bah non, je pense pas. Je sais pas trop. Bah, et comme il y a un nouveau système de partenariat ou je sais pas quoi, partenaire Twitch ou je sais pas, j'ai pas compris. Parce que là maintenant, même les primes, on ne touche plus grand-chose dessus, je crois. Je sais pas. Comment ça, Cassie Maquet? Ça a remarché, Cassie? Pourquoi on voit l'annonce? Ouais, mais ça s'est pas mis en bas. Attends, ça va peut-être. Mais c'est bizarre. Ton maman, tu peux pas refollow. C'était bizarre, ça, quand même, non? C'est même étonnant qu'il y ait eu l'alerte. Normalement, c'est pas censé la refaire. Quand tu dis unfollow, refollow. Les mystères de Twitch. Mais c'est complexe hein, quand même. Il y a des fois, tu cherches un truc. C'est complicados. Ouais, normalement, on n'a pas d'alerte quand on. Bah ouais, c'est pour ça, c'est bizarre. Cassie, tu me followais pas? Non, ouais, là c'est chelou leur truc. De toute façon, c'est comme YouTube, maintenant il faut. Tu peux aussi t'abonner, mais différemment à la personne, je sais plus. Enfin, dès que tu passes, il faut passer à la caisse partout, de toute façon. Bah ouais, c'est bizarre que ça refait. Mais comme je suis avec le nouveau téléphone, peut-être qu'il avait pas pris par celui-là. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le même IP ou je sais pas quoi. Enfin non, c'est pas l'IP qu'ils prennent, mais je sais plus. Même si c'est le même compte. Ouais, mais c'est pas le même numéro de téléphone, peut-être. Parce que je sais qu'il y a les vérifications de compte avec les numéros de téléphone. Je sais plus ce que j'ai activé, moi. Mais je sais même pas si j'en ai activé. Hein. Des fois, il faut avoir un compte vérifié. Un email ou je sais plus quoi. J'ai jamais eu d'attaque de troll pour le moment, donc j'ai pas forcément sécurisé le truc. Hein. Puis normalement j'ai des mots doux, normalement. C'est le même IP parce que je suis sur Wi-Fi et celui-là, j'ai pas encore mis la carte téléphone. Ah ouais? Oui, du coup, Juliette, t'as juste changé le pseudo en fait. Hier, c'est ça? Moi, j'ai cru que tu t'étais connecté avec un autre compte et tout. Septembre. Non, il faut plein de trucs sur Etsy pour Twitch. Mais. Bon, on dit qu'on est bien là, non? Beyond, you Ouais, j'avais demandé, moi, que ce soit une vérification et une certaine personne, ça l'emmerde. Ah, mais bon, je lui ai dit qu'elle avait juste à récupérer un message sur son téléphone. Ouais, juste faire une vérification, c'est pour éviter les trolls, quoi. Mais il y en a, ils veulent pas faire l'effort de rien en fait. Mais bon, quand tu subis une attaque de troll, c'est complicados. Je sais pas trop.
Bon, faut que je repasse sur le Harry Potter ou celui de Gaël, je sais pas. Oh, le Harry Potter, il faut que je l'avance. Non, il faut que j'avance le Harry Potter. Oui, bah, elle a quand même fait l'effort si elle voulait écrire. Il n'a pas demandé ses mensurations, c'est bon, hein. Celui de Gaël? Je sais ce que tu vas dire. Mais c'est pas à cause de moi. 38, 138. Là, hop. Là, vous l'entendez à peine. Avouez, avouez. Bon, celui de Gaïoul. J'ai mis. Non, faut que je mette la date derrière. Et je suis dans les temps pour le fil violet. On est en mai. Celui-là, je l'ai fait. Ah oui, je l'avais fait au début du mois, c'est vrai. Et... Tiens, mais le prochain, il va être cool aussi. Mais je demanderai à Kalina une image de ref. J'ai créé un compte hier en espérant réussir à te sub. Non, t'as créé un compte exprès, mais t'es taré. Mais j'y arrivais pas, alors j'ai pensé que c'était à cause du fait que mon compte Twitch avait déjà une association avec mon autre Prime. Ouh, c'est compliqué là. Parce que t'as deux Prime. Attention, madame a deux Prime. Non, je suis contente du rendu. Il est mignon. J'ai pas oublié de faire. Non, il y a juste les nuages jaunes que j'ai pas. Voilà. Bah, Dijonais descend sans odeur, mais non, je trouve que ça passe. J'ai pas besoin, je vois pas la grande bout de papier. Gaillou. Non, je vais continuer ton colo. Cassie, il a décidé que j'irai pas dans le Harry Potter. Dernière fois, ils se sont parlé. Au revoir. Merci. Le meilleur de ce qu'on était. Bon, je fais quoi? Les feuilles, les papapillons, les papapillons. Quelle couleur déjà les papapillons? On va enlever l'image de. Voilà. On va regarder un petit peu sur. Sur Pinterest ce qu'on trouve, non? Qu'en pensez-vous? Des images de papapillons. Ah, j'ouvre Pinterest et il me montre une belle petite Alice. Oh là 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 là. Papillon de lumière. Non, arrêtez, elle va revenir dans une émission de télé-réalité. Là, j'ai vu là la Cindy Sanders. Je sais pas si je pars dans les violets ou dans les bleus. Bleu turquoise, bleu turquoise. Pipaillon, les pipaillons. Pipaillon de lumière. Bref, un compte a été créé pendant 1 heure. Et comme j'aime pas qu'on m'appelle Juju, eh ben, appelle-moi Ju. L'idée m'a plu. Alors, du deuxième compte, mais le nom, j'ai gardé. Mouquet. Que river. Parce que oui, de toute façon, ton pseudo, tu peux le changer tous les 60 jours, je crois. Moi, j'ai changé plusieurs fois. J'ai dû mettre des majuscules, des séparations, parce qu'on a tendance à m'appeler chiotte. Chiotte. Si je suis devenue appelle-moi Ju, partout peut-être on m'appellera Ju. Ouais, tu veux que je t'appelle Ju? Je t'appelle Ju. Tu préfères Ju à Juliette?
Mon petit jus. Mon petit jus. Mon petit jus d'orange. Mais oui, c'est souvent qu'on m'appelle Chiotval. Quand je raid, tu peux être sûr. Ah, merci pour le raid, Chiotval. Chiot! Chiot! Mais bon, je sais pas choisir les pseudos, écoutez, voilà. Je sais pas faire. Si vous avez besoin d'un pseudo, ne me demandez pas. Alors, on part sur quoi pour le pipillon? On fait un sondage ou... Que pensez-vous? On va peut-être faire un sondage et après, on choisira une image ensemble. Alors, gérer les sondages. Je sais que c'est par là, normalement. Non? Non. Prédiction? Non. Gérer les sondages. C'était le dernier, bien entendu. Oh là, ça c'est l'ancien sondage de Taz. Alors. Est-ce que j'en propose trois ou juste violet, rose, bleu et turquoise, ça peut être bien. Ou jaune, orange. Mais bon, ça me rajouterait une teinte. Je sais pas. On va proposer quand même. Allez. Soyons fous. Peut-être pas qu'une seule minute. On va mettre 2 minutes. Allez, à voter. Ah oui, c'est d'accord, c'est ça le temps du machin. Ok. Juliette, ça me va aussi. C'est Juju que j'aime pas. Ça me rappelle mon ex. Ok. La chiotte biloute. Ouais. Mais du coup, tu en fais un différent à chaque fois, alors que c'est la même. Maintenant, je vais les faire la même couleur. Mais j'hésite encore sur quelle couleur je fais mon papillon. J'ai toujours besoin d'aide, moi, vous le savez. Ça partirait sur quoi, là? Bleu turquoise. On vote, les gens, on vote. Les lurkers, s'il vous plaît, on vote, on vote, on vote. Quelle couleur je fais le pipillon? Donc, call me up. Allez, je vote. Ah, j'hésite quand même, hein. Parce que... Je vais mettre ça pour... On va éviter de faire un... Pas de tout... d'ex-aequo, s'il vous plaît. Avec le fond... Avec le fond du fond... Avec le fond du fond, je dirais violet rose. Parce que oui, il y a violet rose, mais il y a aussi du violet bleu. Enfin, il y a... Enfin, voilà. Revote... Attends. Revote pour moi à orange. J'ai une mise à jour, j'arrive pas. Ah bah je peux pas revoter là. Mais bon, ça fait 2, 3, 2 là pour l'instant. Pour l'instant, c'est le bleu turquoise qui l'emporte. Bah tu comptes un vote de plus en orange. Ok. C'est pour ça que je dis 2. 2 jaunes orange, 2 violets roses et 3 bleus turquoise. Nana. C'est le bleu turquoise qui l'emporte. Mais de rien. C'est toujours. T'aurais voulu que je mette Etoc. J'aurais dû faire bleu et jaune. Hein, Gaël? Allez, bleu et turquoise. Franche cette langue, elle est pas belle. Elle est pas belle, ta langue. Supprimer le sondage. Alors, oui, enlevez-vous, monsieur. Alors, turquoise, du coup, papillon bleu. Very good night, my life, don't wanna talk about us. Love a little bit behind. Celui-là, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est beau, les papillons, on n'en voit plus, hein.
On envoie des tout petits jaunes là. Mais on voit plus de papillons comme on en voyait avant. Pesticides. Il est beau celui-là. J'aime bien celui-là. T'enregistres où là? Ouais, ok. Un colo, c'est un choix malheureux. Ça marche pas en scrapped. En scrapped. Pourquoi je dis scrapped? Ouais, elle est mignon. Bah ouais, c'est la couleur des mignons. Jaune et bleu. Alors, ça, je veux mettre ma place. Vous en pensez quoi de ceci? Bon, il y a un petit peu de violet, on va dire quand même. Je criche. J'ai pas de papillon sur Twitch. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que des émotes papillons, j'en ai pas non plus. Attends, butterfly, il y a deux T? Non. Je sais plus. Butterfly, j'écris, bien sûr. Non, j'en ai pas non plus, tu vois. Ah, ah. C'est vrai. Attends, je vais noter. Je chercherai, je verrai si j'en trouve. Bah oui, c'est même étonnant que Tazelle n'en ait pas pris. Ah, t'as trouvé! Ouais, avec le noir, tu vois, noir. De toute façon, ce qui est en noir, là, je vais le. Je sais pas si je mets ça en noir. Non, pas ça. Mais les petits trucs, les petits cratères. Non, ça va être blanc, ça, non? Je sais pas encore comment je vais faire mon truc, là. Allez, combo. C'est les images du téléphone. Ah ouais. C'est le tour des caractères qui va être noir ou les. Attends, des cratères. Ouais. Oui, ça sera blanc et ça sera noir. Ou je fais l'inverse. Non, faut que je fasse ça en noir. Pour que ça pète. Du coup, on va mettre le pourpre dioxazine, je crois. Le 132. Le violet en 932. Après, on a le bleu outre-mer, je pense. C'est le 902, figurez-vous. 902, 902, 902, il est là. Contour noir et cratère blanc. Ouais. Oui, les petits trucs là en blanc, là. C'est ça, hein. Les cratères. Ça. Et après, on va partir dans du bleu. Le bleu pan, le 10-27. 10-27. Where you are? Là. Oh, oh, ici, ils sont relous à faire ça. Vert jade, attends. Vert jade. Vert pan. Vert jade, il est là. Vert jade. Oh baby, I love you. I love you beaucoup. Oh la mouche là! J'ai laissé la fenêtre ouverte, ça veut pas dire que t'es prié de rentrer, hein. Vert jade? Tu penses? Non, c'est pas vert jade, hein. C'est là, hein. C'est le celui-là, là. Le bleu vert pâle. Vous voyez flou? Ouh, là, c'est flou. Allez, on essaye. Celui-là, là. Là, j'ai mis celui-là. Je vais mettre celui-là. Peut-être celui-là entre deux.
Celui-là. 905 et 992. Non, c'est pas ça. 905. Et l'autre, il doit déjà être sorti. Non, il est sur une rallonge. Quelque part. Oui. T'aime. On est bon là. Et pour fignoler le tout. Et là, un petit géranium. Non, je pense que c'est bon là. Je pense que j'ai assez de crayons. Non? Je vais vous rapprocher un tchou peu. Coucou Fozzy! Comment ça va? Nous ça va. J'en ai terminé un avant celui-là. Je viens juste de repasser sur le colo pour Gaël. Mais j'ai fini ça avant. Voilà, j'ai fini celui-là. Que j'avais commencé hier. Alors, on prend lequel? C'est lequel le premier? C'est le 932. Hein. C'est ça? C'est le. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Entre les deux, là, j'hésite toujours. Hein. Moi, je les trouve vachement similaires. Hein. Alors. Il va falloir un peu de noir aussi. Parce que quand on regarde la zone où il va y avoir de la couleur, elle n'est pas si grosse que ça. Donc on va mettre du noir vraiment en zone externe. Et on va faire le côté le plus clair au centre de... Je trouve pas le mot. Mon cerveau, il m'énerve. Oh là là là, qui m'énerve en ce moment. C'est une aile de papillon, voilà, c'est une aile. C'est comme le poulet. Merci Fozzy. Quoi de prévu pour toi aujourd'hui? What? Au milieu. Les ailes, bah t'as les ailes de papillon, t'as les ailes de poulet. C'est pareil. Coup, celle-ci, c'en est aussi. Attends. Là, c'en est une. Une goutte. What? Moi, j'ai prévu du Disney. Ouais. Et après, du Hunt. Hunt. Tu vas kill quoi? Disney, j'aimerais bien. Mais si mes enfants jouent dans leur chambre, peut-être que je vais pouvoir y jouer un petit peu ce soir. Ou que je négocie avec le chéri. S'il regarde une série ce soir, je pourrais peut-être jouer. Maintenant, il y a Kael qui est en live, peut-être ce soir. J'ai pas vu de story. Donc, je sais pas. Allez. À toujours. À toujours. À toujours, bébé.
Gros bisous, ma gaïoule. Non, je joue sur PS5 pour Dreamlight. Gros gros bisous, ma gaïoule. Passe un bon week-end. Je sais pas si tu stream dimanche, mais bon, dimanche, voilà, je suis de corvée beaux-parents. Donc, voilà. Je suis joie. Hunt Shadow du zombie. Ah ouais. Waouh. Je viendrai peut-être voir ça. Get a... I'm a rockstar. Mais faut que. Peut-être pendant que je serai en train de. Je sais pas quelle heure ça sera, mais. Je serai peut-être en train de cuisiner mes tomates farcies. Pendant que tu tueras des zombies. All day, all night, baby, I'm a rockstar. Hey, baby, I'm a rockstar. Non, je suis absente sous con. Ok, j'aurai pas de regrets alors. Parce qu'à chaque fois, j'y vais, mais oh, mais il y a un live, j'aurais bien voulu regarder. Le pire, c'est quand c'est des reveals. Me. 20h30. Ouais, donc les enfants, on les met au lit 21h. Je fais le dodo de qui ce soir? Je fais le dodo de Jade. Donc à 20h30, je serai encore dans sa chambre. Baby, I'm a rockstar. Hey baby, I'm a rockstar. Et je passerai vous faire coucou. Avec plaisir. Baby Yama, oh baby Yama. J'en ai pas oublié, si. Non. Je passe à insister là. Dommage que vous jouez pas à Monster Hunter. Mais bon, de toute façon, ce soir, je travaille. Ah non, Monster Hunter. Bah, de toute façon, moi, les jeux PC, avec mon vieux coucou là, les Sims, Supermarket Simulator, il me fuit de la gerbe. Puis là, Liam, il a essayé de le lancer l'autre soir. Donc, je sais pas s'il m'a pas effacé toute la sauvegarde. Donc, il faudrait que je vérifie quand même. S'il fonctionne toujours, mais bon, je sais pas si je vais pas te désinstaller au final parce que je me rends malade avec ce jeu. Faut que j'arrête. J'ai quoi sinon? Le jeu. Oh non, déjà. Storage jeu seul aussi. J'ai pas envie d'aller à l'école. Pourtant, j'ai lancé beaucoup plus tôt. J'ai pas l'impression que c'était plus long. C'est quoi cette arnaque? C'est pas juste. Les enfants de la streameuse vont aller en garderie. Hein. Non, c'est pas bien. Surtout que la petite, elle a fait que chouiner quand elle m'a vu. Une fois qu'elle m'a vu au cross, elle a fait que chouiner. Nobody knows. Du coup, ce soir, je sais pas lequel je vais avancer de colo. Celui-là, je pense. Le Potter, il me fait peur. Il faut que je fasse le vieux là.
Need a gangster. Mais ça serait bien que ouais, je les avance ce week-end et que ce soit quasiment fini début de semaine prochaine. Ça serait bien. Voire fini. Ça serait bien. Que ouais, je puisse remettre les roulettes. Je sais pas si je referais pas un défi avec les points de chaîne. Mais je le ferai peut-être dans le galerie portrait quand même cette fois-ci, peut-être. Ou le Karl Barks. Astérix, je sais pas trop. Faut que je vois ce qui. Que je choisisse peut-être déjà des colos dedans. Je vois ce qui me fait envie. Purée, Shannon Doherty, elle se prépare à mourir. Bah ouais. Hein. Je suis régulièrement, je regarde souvent. Mais ouais. Hein. Y a qui live à cette heure-ci? Y a quelqu'un à raid ou pas? Allez, sortez les chapeaux de cow-boy, les soundcheck, les filles. Hey! Elle a rangé sa maison et vidé ses garde-meubles. Ça me fait pareil. Ma fille passe la porte le soir. Je me retiens de dire déjà, mais tu viens de partir là, non? Et c'est déjà l'heure. Qu'est-ce qu'on mange? Non, mais t'es content d'aller de les retrouver. Mais à peine ils sont assis dans la voiture qu'ils sont déjà en train de se chamailler en fait. Donc. Mr. Tornado, j'ai oublié là. Vous avez vu la méthode? On utilise son crayon jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Voilà. Et le colo, il avance vite comme ça. On rentabilise. Texas. Hey. Calm down, down, down. Hey. Non, je me trompe pas. Oh là 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 là. Allez, tchou! C'était Val à peu près. Ça devrait aller. Je pense que ça va être joli. Non, non, du coup, oui, on se retrouvera donc mardi pour l'ouverture des cadeaux. Mais bon, je crois comprendre que je n'aurai pas tout. N'est-ce pas, Cassie? À quand les claques à distance? La petite fessée, le petit coup de fouet à distance. Tout!
Ça va, franchement. C'est presque rien. Oui, c'est tout souvent ce qu'on dit, hein. Déjà, les pentels, c'était presque rien, mais t'étais pas obligée. Aïe. Tu vas encore chialer, vous êtes chiant. J'étais tout à l'heure hein, dans les escaliers en remontant avec le colis, là, j'avais les armes aux yeux, là, j'étais pas bien. Mais je suis sûre qu'Alina, elle a fait une dinguerie. Vous avez vu la taille du carton? C'est dur. C'est quand même épais. Ça ressemble à une boîte de crayons. Du coup, maintenant, à cause d'une personne, j'ai peur. Non, faut arrêter. C'est pas bien. M'acheter une boîte de chewing-gum, c'est bien. Des toulis aussi gros? T'as vu la taille? Attends, mais t'as vu la taille? Ça fait mon buste. Parce que s'il n'y a pas de carte, ça va fouetter pour mon matricule. S'il n'y a pas de mots, hein, pour une certaine personne, attention, hein. Ça va, t'en. Bon, faut que j'aille chercher mes enfants, moi, quand même. Mais là, j'aime bien ce que je fais, là, c'est joli. J'aime bien ce petit dégradé, là. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un à Red? J'ai la menthe. Elle fait du colo. C'est dans un mythographique, ça, je crois. Mais bon, je lance pas parce que je vais me taper une pub à tous les coups. Ça doit pas être de Touli. Ils sont toujours dans sa wishlist. Non, mais j'ai coché le truc exprès pour pas que je me spoil, en fait. Pour pas voir ce que les gens prennent. Mais non, les Touli, c'est des petites boîtes. C'est une boîte comme. Bah, j'en ai déjà une. C'est ça, une boîte de Touli. Tu m'excuseras. C'est plus qu'une boîte de Touli, hein. Il faut qu'on regarde ta surprise. Hein? Moi, ça fait la taille. Regarde. Regardez. Ça fait la taille d'une boîte de colline, on est d'accord. C'est pas bien, Kalina. Qu'est-ce qu'elle a pu prendre dans ma wishlist en plus avec cette taille-là? Je fais chier les mardis. Putain. On fait chier. Bon, je vous envoie chez la menthe. Il est quelle heure? Ah oui, il est 10. Allez. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis contente, j'ai fini un colo et c'est joli ce que je suis en train de faire. Ça me plaît bien. Je suis contente. Donc des bisous. On se retrouvera peut-être sur le Didi, sinon ce soir. Des gros bisous. Ah, bah, je suis partie.